Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Nintendo Talk Show. J'ai le plaisir ce soir d'avoir avec moi une équipe endiablée pour débriefer toute l'actualité de Nintendo. J'ai ce soir avec moi Monsieur Kanozu, ou plutôt Picano. Salut, wesh. C'est ton avatar sur Discord qui m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais c'est tellement obvious comme pseudo. Si tu permets, évidemment, que je l'emploie. Ah non, je suis sûr qu'il est choqué, là. Ah oui, il est extrêmement choqué. Également, Copan qui est là, comment ça va? Bonsoir, ça va, et vous? Parfaitement bien. Et également, Pix300 qui est également là. Promis, j'ai joué à du Nintendo cette semaine. incroyable, voilà, on aura le temps d'en discuter de toute façon. Et enfin, Spyouné. Eh oui, salut tout le monde, c'est la BlizzCon, je suis content. C'est la BlizzCon, effectivement, on aura quand même quelques petites choses à dire sur ça, ouais. Mais on a quand même une émission assez chargée, et on va commencer tout de suite avec l'OST du soir. Il s'agit... Ah, c'est dommage que Tempo, il était avec nous il y a quelques minutes. Il aurait été incroyablement surpris que je mette cette OST, puisqu'il s'agit de Pokémon Noir Blanc, Noir et 2, enfin bref, Noir 2, Blanc 2, voilà, c'est compliqué à dire. Allez, c'est parti. Le Louis Mille. Bravo Louis Mille sur le chute. Oui, j'avoue. Je t'ai même pas demandé de le caser et tu l'as quand même mis. Ouais, vraiment, bravo. Bravo. Fric égale pognon, moi direct. Oui, ça me paraissait évident. Hein. Voilà, je règle le son. Bien, on va passer à la première séquence où il y a déjà quelques petites choses à dire, des choses joyeuses hein, tout de même. L'actu de GN. Alors, l'actu de GN... Attendez, je mets ce son de l'OST pour pas qu'elle soit trop forte. L'actu de GN, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous n'êtes pas sans le savoir que dimanche 3 novembre est un jour un peu spécial. Puisque c'est le 3 novembre 2008 que Monsieur Dragon Bleu a créé Génération Nintendo, c'est incroyable. Donc si vous êtes fort en calcul, ça veut dire que c'est les 11 ans de GN, et oui. Et vous le savez, depuis quelques années, on fait pas les choses à moitié sur GN, puisque à l'occasion de cet anniversaire, on va faire un live spécial, dimanche soir, à partir de 21h, notez-le bien, un live sur Génération Nintendo. Non, on fait juste un topic et vous postez dessus, c'est bon. Oh, c'est nul. Oh. Le live annulé. Cancel tout. Bah écoute Spy, vu que t'es quand même pas mal à la charge d'organiser tout ça, je te laisse un petit peu expliquer ce qui va se passer durant ce live. Ouais. Alors, bah, on va commencer à 21h, ensuite on attendra genre 5 minutes que les gens se ramènent, et puis après donc je diffuserai la fameuse vidéo récap de l'année, qui cette année sera bien finie, vous inquiétez pas, l'année dernière j'ai des petits soucis de computer, cette année sera bien finie. Du coup, donc toujours une vidéo toujours faite par moi, et puis après à la fin de la vidéo il y a vos messages vocaux pour l'anniversaire, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos messages vocaux en DM pour que je puisse les ajouter à la vidéo. Donc vous avez juste à prendre votre micro et dire bon anniversaire Génération Nintendo, etc. Ensuite, après cette vidéo d'à peu près 15 minutes, on passera au Burger GN Quiz. Où eh bien, ce sera donc eh bien, le Burger Quiz version GN. On l'avait déjà fait l'année dernière, ça vous avait plutôt plu. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne recommence pas cette année. Et puis il y aura encore un petit cadeau à gagner pour ceux qui participeront. Mais si je rappelle, du coup, en gros, ce sera les gens dans le chat qui diront qui est chaud. Et puis on en choisira deux. Un pour chaque équipe, et donc les deux participants seront épaulés par deux membres du staff chacun. Du coup, je sais qu'il y a Kanozu, Rifal, Gebuki, et il nous reste encore un dernier à trouver, faudra en ligoter un. Et après, on passera au blind test copieusement organisé par moi et Rifal, dont on a toujours pas choisi les musiques, je crois. Pas encore, c'est vrai, mais demain je m'en occuperai, je te filerai tout ça. Du coup, le blind test, et puis après on terminera, on commencera à jouer tous ensemble, du coup, à des jeux flash, voilà, du Axe Ball, du Bomb Party, vous avez l'habitude, voilà, on essaiera de switcher, et on terminera la soirée, en conclusion, avec le fameux dessin où tout le monde participe pour faire une grande fresque incroyable remplie de
de dessin très mature. Voilà, en gardant le trop sérieux possible. Puis à la fin, bah, ça fera un joli dessin qui marquera cette 10e année qui vient de se conclure. Et puis après, on passera à la 11e année. Cette 11e Non, non, qui conclut. Ça, ça... Enfin, le 10e. Ça conclut le 10e anniversaire. Parce que je peux dire qu'après, on passe au 11e. Ah oui, oui, c'est vrai. Attends. C'est... Attends, c'est parti, j'ai pas le calculé. Ouais, à part si j'ai pas le calculé, mais. Mais non. Ouais, voilà. Mais non, ça a conclu la 11e année. Ah oui. Non, mais si on va sur 11 ans. Enfin, ouais, vous avez compris. Bon, du coup, ça va conclure l'année qui vient de se dérouler, merde. Voilà. Pour pas péter les fans. Ouais, bah merde. Ouais, allez, voilà. Max. Et du coup, on passera ensuite et bien à la nouvelle année. Puis j'espère que vous serez là encore plus chaud cette année. Bah oui, parce que quand t'as un an. Grosse surprise, j'espère que vous serez là. Voilà. Quand t'as un an, tu finis ta première année. Donc quand t'as 11 ans, tu finis ta première. Oui, ta... mais ça, on l'a déjà dit. Ta 11e année. Ir. C'est complexe. C'est complexe. Un projet c'est complexe. Un, oh, bien sûr, au chat. Oui, en fait. Donc, coucou au chat, bien sûr. Coucou à Otaxan, à Draco, à Major. Non, non, mais t'as raison. Celles et ceux qui vont nous rejoindre. Oui. Ouais, mais c'est complexe. Hein. Moi aussi, je m'embrouille. Hein. T'en fais pas. Ouais, voilà. D'ailleurs, bon, en tout cas. Deux semaines, on dit 15 jours, mais en fait, deux semaines, c'est 14 jours. Exactement. Est-ce que tu savais également que Doki Doki Panic est en fait Super Mario Bros 2 en Occident? Super Mario Bros 2, c'est incroyable ça quand même la vie. On nous ment. C'est vraiment incroyable. c'est pas tout ce qu'il y a en ce moment sur GN. Il y a aussi un nouveau mois spécial de GN. Donc après le mois spécial de Luigi et aussi, on a fait quoi, le mois spécial Dragon Quest. On est parti pour novembre pour un mois spécial Europe Écologie Les Verts. Extraordinaire. Donc bon, sans blague, sans rigoler, en fait le thème du mois, ça va être les jeux de la nature, hein, les jeux écologiques entre guillemets. Ça peut aller du Animal Crossing au Stardew Valley et ce genre de jeux où vous communiez avec la nature. Zelda Breath of the Wild y fait totalement partie, c'est normal. Mais aussi des jeux qui ont des thématiques plus ou moins écologiques, comme je sais pas, Final Fantasy VII ou même Pokémon Noir Blanc. C'est pour ça d'ailleurs que je diffuse l'OST, qui a des thèmes pas inintéressants quand même. Et donc non, on fait pas de mois de Pokémon finalement, parce qu'on s'est dit bon allez c'est bon, de toute façon on parle de Pokémon toutes les semaines. Non, c'est le mois de Luigi. Ouais, c'est bon, il y a marre. c'est le deuxième mois de Luigi, allez c'est parti. On continue. Non, mais c'est juste, ça aurait pas forcément été super original non plus, faut bien l'avouer. Faut quand même qu'on trouve quelques petites idées. Ouais, très intéressant, le but c'est de mettre des thèmes ou des personnages qui sont pas forcément mis en avant. Dans Dragon Quest, alors on va profiter parce que c'est des Q11. Et Luigi, parce que voilà, Luigi supérieur à Mario, mais surtout mais voilà, que les comptes de Nintendo nous ont suivi sur le coup, hein, Nintendo France et Nintendo... Ils vous volent des idées, là. C'est ça. Alors que bon, Pokémon, si on suit l'actualité Nintendo, enfin, on s'arrête jamais de parler de Pokémon, en fait, Pokémon, on en parle tout le temps. J'avoue, que ce soit positif ou négatif, ils réussissent à faire parler de lui. Ils sont forts, hein. Ouais. Et Taxan, Pikmin, ça rentre totalement dans cette idée-là. Donc ouais, sur le forum, en tout cas, vous pouvez déjà donner votre avis sur qu'est-ce que vous aimez comme jeu qui parle de la nature. Et on abordera certainement certaines questions dans les prochains Nintendo Talk Show. Je vous avouerai que là, j'ai hésité à faire une question Master Race spéciale. Au vu du programme assez chargé, finalement, on reportera une prochaine fois. Ensuite, dernière actu de GN, j'avais sorti le week-end dernier une review vidéo sur Hollow Knight sur Switch, bien sûr. Un Metroidvania extraordinaire dans une ambiance impeccable. Le 20 sur 20 de Magus, bien entendu. Ah oui, est-ce que moi je trouve que ça vaut 20 sur 20 ben, je vous laisse découvrir cette review. Une question un peu épineuse, bien sûr. Je vous partage la review, bien entendu. Quoi, les 5 sur 20 défaut... Alors, je donne pas vraiment de notes, mais bon. Quoi, voilà, seulement 19 mon avis. Ah, c'est terrible. Le thème de l'écologie, c'est un peu l'anti-Pokémon, en fait, à cas le jeu de combat d'animaux braconnés. Mais justement, as-tu joué à Pokémon Noir et Blanc? Parce que justement, dans Noir et Blanc, c'est totalement le thème. C'est la Team Plasma, en gros... demande à ce que les Pokémon soient émancipés de leur entre guillemets esclavagisme. Ça part loin, hein, ça part loin. Mais bon. On va passer donc à la séquence suivante. Les jeux des gêneurs.
si je trouve le jingle. Alors, les jeux des gêneurs, bien sûr, comme à chaque semaine, on vous demande à quoi que vous avez joué. Bon, on va pas parler d'un certain jeu qui est sorti hier, puisqu'on va en parler dans une séquence suivante. Et on va pas encore parler de Dragon Quest 11, parce que ça fait déjà 3 ou 4 semaines que je vous en parle chaque semaine, donc bon, on s'emmerde. Aujourd'hui, je joue Dragon Quest, comme depuis 2 mois maintenant. Eh oui, c'est long, hein. Bon, c'est long, ouais. Tu joues à quoi en ce moment? Alors, du coup, il me semble que j'ai mis Céleste et sans conducteur. Parce que je suis en train d'y jouer en live, parce que rappelez-vous qu'il avait été donné gratuitement sur Epic Game Store, donc du coup, je me suis dit, allez, on va pas y jouer. Du coup, je le fais en stream, à peu près, ouais, je stream à peu près une fois par jour, là, à peu près. Du coup, je suis au chapitre 5, et bah, franchement, c'est une dinguerie, hein, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, le level design est vraiment, bon, c'est ultra, c'est assez dur, avant de pas dire très dur. Mais voilà, le level design, bon, franchement, qu'il y a il y a du sens du level design qui est assez ma boule. Il est super joli et puis même l'histoire en elle-même se suit assez bien avec de jolis messages qui se construisent peu à peu au fil des chapitres. Donc voilà, pour l'instant c'est cool, c'est bien. Ouais, Céleste, bientôt 2 ans, bah c'était début 2018 qui était sorti. Ouais, c'est ça, parce que moi il était nominé l'année ouais, dernière. Janvier ou février. Gucci. Ouais. Effectivement. Ouais, un de ces quatre, je vais le faire. Peut-être dans pas si longtemps que ça, parce que les versions boîte elles commencent à arriver par chez nous. Et mon revendeur m'a dit qu'il devrait bientôt l'avoir, hein, au principe. Mais bon, de toute façon, voilà, c'est du platformer 2D, tout ce qui se fait de mieux. Quand on aime ce genre, je pense qu'on ne peut qu'aimer ce jeu. Pix, tu as joué à un autre jeu qui est un petit peu à l'opposé de Céleste, si je puis dire. Bah là, c'est le gros truc là, il y a 1300 personnes. Enfin bref, j'ai... De base, il était prévu comme casse-croûte en attendant Luigi. Il est fini. Quel casse-croûte, hein. T'as vu la dinguerie. Il a commencé en tant que casse-croûte, il a fini en tant que BGE. Voilà. Non, bah c'est Red Dead Redemption ouais. 2. Bah, je l'ai commencé il y a pas longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, il y a une semaine, quoi. Et du coup, je l'ai fini aujourd'hui, là, il y a... quelques heures. Ah ouais, putain, mais tu l'as poncé alors. Ah, j'ai ah ouais, non mais Harry, t'as fait un an qu'il fallait dessus. J'ai passé 60 heures dessus. Enfin, moi, mais ça fait 3 mois que j'ai pas allumé la PS4, hein, donc... après, c'est Pix, hein, tu connais... comment il gère les jeux, hein. J'ai passé 60 heures dessus. C'est vrai, c'est vrai. Et bah franchement, mais, c'est une assez grosse claque. Je comprends un petit peu mieux certaines comparaisons avec le McDo et ce genre de choses. si ça, c'est juste un fast-food. Enfin, si Red Dead, c'est juste non, un. Non, c'est pas un fast-food, c'est un plat gastronomique. Enfin, juste que moi, plat gastronomique. Un sandwich, hein. Bon, moi, le problème, c'est que. Oui, mais il s'est transformé en plat gastronomique. Moi, le problème, c'est que ce soit sandwich ou plat gastronomique, je le mange en un croc, tu vois. La lade, là, toujours. Jamais satisfait. Ah ouais, c'est ça qui se dire. Sacré animal celui-là. Non, franchement, le jeu est assez ouf. Et puis j'aime trop comment le monde est vivant à sa façon. Là, tu vois, là où Breath of the Wild il est vivant grâce à son monde et genre parce qu'il est organique, tu vois. Red Dead Redemption 2, lui, il va être vivant en fait par les PNJ autour. T'as vraiment l'impression que chaque personnage dans le jeu a sa propre histoire, sa propre vie. Genre, tout ça assez ouf. En fait, la façon, il y a un sens du détail, j'ai jamais vu ça en fait. Genre, c'est non, ça a aucun sens. T'as un nombre maboule d'événements aléatoires. Ah, hein, ça a aucun sens. Genre, t'es pas tombé sur des mecs cul à quelqu'un. Ah non, j'en ai vu 0 justement. Ouais, le cul-cul-clair, ils en ont au moins 2-3. Il faut hurler. Mais j'ai vu un moment, ça m'a marqué. Genre, je me baladais en ville, c'est Benken ni rien. Et t'as un mec, et genre, il est en dessous d'un. Genre, en dessous d'un ah oui, j'ai jamais compris. Et puis, il te dit à l'aide. Ouais, t'es enfermé et tout. Je dis, mais quoi? Et là, ensuite, je fais le truc, je prends le gun sur lui, je vais aller au sous-sol. Et là, t'as tout un truc qui se lance, t'as pour que l'arbrier. Ah, c'est comme ça qu'on libère, j'ai pas compris comment c'est. Et, genre, avec l'arbrier, genre, t'as l'impression qu'il a tout un lore sur son fils qui est mort et tout. Genre, t'es. Genre, random. Et t'as plein de trucs comme ça, genre, vraiment, tu sauves un PNJ random et tout. Et tu sais pas qui c'est, tu le sauves. Et là, il te dit, ah ouais, ici, là-bas et tout, tu peux faire un petit braquage. Et genre, il te donne des conseils et tout. Ça me rend. Il y a un événement aléatoire avec les manques du caca. Genre, vraiment, tu rencontres des mecs qui font caca, ils portent une croix en fait, et en fait, du coup, ils n'arrivent pas à la porter, et ils se la prennent sur le coin de la gueule, et ils meurent. C'est vraiment super.
Mais t'as plein de trucs comme ça, c'est assez ouf. Et puis même l'histoire, elle est assez incroyable. Le petit problème, je dirais, c'est que peut-être les missions sont trop dirigistes, alors que le jeu, c'est un giga monde ouvert. Mais je pense que c'est fait exprès, parce que l'histoire... Enfin, le jeu veut vraiment raconter quelque chose, quoi. Ouais, et puis il y a coup, tellement d'annexes à faire, de toute façon. C'est vraiment très très bien raconté. Et oui, l'annexe, c'est que ça, genre, il y en a partout, des quêtes annexes et tout. Ouais. C'est assez ouf. Et puis surtout, le jeu, il a des couilles, quoi. J'aurais fait plein de trucs, je m'attendais pas et tout, franchement, il est... Chapitre 5, hein. chapitre 5 et 6, franchement, genre, la fin du chapitre 5, j'étais wow, et le chapitre 6. Voilà. Et puis franchement, genre, la façon de comment tout est géré le jeu, c'est assez ouf, genre, c'est... Bravo. Arthur Morgan sur moi. Je savais que quelqu'un allait faire la blague dans le chat, hein. Il a dit je ne pas la relever, bien entendu. Enfin, c'est un super jeu, il est très bien écrit, il y a des petits problèmes, mais après, c'est le jeu qui se veut comme ça, genre, c'est tout, il se veut lourd, il se veut lent et tout, genre, c'est... Ouais, moi ce qui m'a gêné, c'est pas tant la lourdeur du gameplay, ça encore, j'accepte. Ce qui m'a plus fait chier, c'est la lourdeur de l'inventaire. Ça, c'est compliqué. Tu trouves... Oh, ça passe encore, je crois. Ah, les inventaires, ça, j'ai trouvé ça chiant, hein, quand je sais pas si je choisis un objet... C'est ça qu'il y a trois c'est marrant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Non, mais bah ouais, écoute, moi j'ai. Ouais. Je peux comprendre, mais. Ça, c'est vrai que plus la lourdeur, je trouve que ça, au final, ça donne un cachet, plus tu joues, et puis en fait, tu rentres vraiment dedans, et. Et genre, en fait, ah oui, tu commences à faire ta vie, quoi. Moi, je trouve ça c'est vraiment. Le seul truc que j'ai qui m'a saoulé, c'est que le voyage rapide, il y a genre. T'as 4 emplacements, et ensuite, tu fais des trajets de 200 km. Ah, mais je kiffe trop les trajets, moi, à chaque fois. Parce que tu vois les mecs que tu rencontres, les PNJ, tout comme ça. Oui, c'est sûr, il y a plein d'événements. Ça rend les trajets. Alors, à chaque fois, les trajets, tu commences à bouger, tu t'arrêtes 2 secondes, parce que t'as un truc qui t'intéresse à chaque fois, genre. Moi, j'ai pas mentir sur la fin, sur l'épilogue, j'ai quasiment fait aucun annexe, j'ai juste fait. Ah, ouais, t'inquiète. Normal, toi, t'es en mode, que je veux quand même voir la fin de l'histoire, quoi. Oui, c'est ça, mais surtout que l'épilogue, genre, c'est franchement, on te pousse à faire que de la quête principale, en fait, genre. Ouais, c'est ça. Enfin bref, jouez-y. Ouais, c'est un 10 sur 10. Tant qu'il arrive sur PC dans une semaine, là. Et voilà, quoi. Et sur, c'est pour vous dire, il m'a même fait délaisser Luigi aujourd'hui, quoi, pour que je finisse le jeu. C'est terrible. C'est dingue, hein. Bon, allez. Je sais pas comment tu fais, hein. À la con. Casquette Rockstar. News à la con, bon, je sais, c'est votre séquence favorite, hein. Bon. Toujours un plaisir, évidemment. Oui. Ah. Oui, vous m'avez appelé. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Trois sujets s'offrent à nous. Trop de budget. Commençons par le premier. Ah, c'est la première fois que tu fais le parfois. Écoutez-moi bien. Pour jouer en multijoueur, il faudra payer un peu plus que son cœur. Ah, mais regarde tout. Sur ce jeu mobile de Zemmer. C'est ton grand sourire. Il y a beaucoup trop de budget. vous étiez. Ah ouais, Kanuzu, il découvre. Hein. Oui, je découvre la version 2.0 du Perfora. Ah ouais, il est vachement mieux et tout. Bah, il y a la petite musique et tout, il y a moins le film bizarre. J'ai connu l'alpha, moi, la Learning Access. Ah la toute première émission. Bah oui, mais bon, on a amélioré le budget, effectivement, hein, grâce au pognon que Spayouné m'a reversé, bien sûr. celle-là elle était un peu facile. De toute façon, on va y aller crescendo dans les difficultés. La deuxième sera moyenne, on va dire, des difficultés. Et la troisième, attention, accrochez-vous. Hein. Bien sûr, pour jouer en multijoueur, il faudra payer un peu plus que son cœur sur ce jeu mobile de Zemmer. Mario Kart Tour, effectivement, le multijoueur va arriver en décembre, donc le fameux jeu mobile. Cependant, une bêta a été ouverte et pour accéder à cette bêta, vous devez payer l'abonnement premium de ces morts là qui coûte, je crois, 5,99€, je sais plus, par mois. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de dire encore quelque chose sur ce jeu mobile, sur son modèle économique, hein? Mais bon. Mario Kart. D'ailleurs.
Il y en a qui jouent encore parmi vous Mario Kart Tour? Non, j'ai eu Mario, j'ai arrêté. J'ai eu deux semaines, puis ça va, ça m'a tenu deux semaines. Après, j'ai arrêté. C'était mon objectif, quoi, d'avoir Mario. Et je l'ai eu. Tac. Bah, c'est sympa pendant deux semaines, quoi. Après, c'est répétitif, il faut le dire. C'est ça. Bon, du coup, je suis content d'avoir pris l'essai de mon pass. Bon, je le prendrai pour le luthier. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Hein. Tac. Ouais, il régale en wallpaper là, merci bizarre. Mario Kart pour. Oh, bravo. Enfin, justement, faut pas être trop pour y jouer. Hein. Enfin bon. Allez, deuxième énigme. Oui, concentrez-vous, le niveau augmente. Bien qu'il saluait son jeu en allemand, ou bien s'exprimait-il en téléphonant, il rejoint la chasseuse dès maintenant pour aider le studio Tonton. Qui suis-je? Ah oui, je l'ai. C'est Retro Studio, oui. Avec le concept artiste de Halo. Ah oui, bien joué, bien joué. Ça a été un petit peu moins rapide pour l'avoir, mais ça va, elle était encore faisable. Bon, c'est surtout les deux derniers vers qui t'ont aiguillé, je pense. Hein. Il rejoint la chasseuse dès maintenant, la chasseuse de prime. Ouais, c'est ça. Pour aider le studio d'antan, rétro antan, c'est là que j'entendais cela. Alors, pour expliquer le début, bien qu'il saluait son jeu en allemand, est-ce que vous l'avez compris celle-là? Bien qu'il saluait bien, c'est... son jeu. En allemand. En allemand. Allô. Saluer en allemand. Pour dire l'équivalent de hello en allemand, c'est hallo. Hallo. Où s'exprimait-il en téléphonant? Bon, voilà, tu décroches le téléphone, tu dis allô. Incroyable. Donc, de quoi s'agit-il? Kyle Effley, qui a été character designer sur Halo 4 notamment, rejoint les équipes de Retro Studio pour venir en aide à Metroid Prime 4. Intéressant. Formidable. Bon, on est toujours sans nouvelles concrètes de Metroid Prime 4, mais bon, de toute façon, on sait que le développement a repris... cross-gen, Switch, la prochaine console, quoi. sur Switch 2. On sait que le développement a repris il y a un peu moins d'un an, donc bon, forcément, faut le temps, quoi. Oui, ça prend le temps, ça sortira dans 2 ans, c'est bon, on a le temps. Ouais, ça, dans 2 petites années, quoi. On le verra le 3 2021. Oui, c'est ça, 2020 peut-être. Hein. C'est 2020, non, c'est vrai. Ah, peut-être il est en 2020, j'abuse. Un petit trailer, histoire de faire plaisir. Genre 40 secondes, tu vois. Ça me rappelle un truc, il disait « Ouais, voici ce que va montrer Nintendo sur Metroid Halo 3 », puis on voit juste Samus qui se pose sur un vieux... Au Game Awards, peut-être. Pour montrer un truc au Game Awards. Vous avez vu le tweet « Metroid Prime 4 va sortir avant tous ces jeux, et là, t'avais The Last of Us 2, Cage 3 et tout, 2017, et moi, j'étais en larmes, genre. Parce que du coup, tout le monde, il a suffi. 80%, ils vont sortir, ils sont sortis ou ils sortent l'année prochaine. Bravo. Ils ont tout retardé, ouais. Ah, ça m'a fumé. Ouais, bah, ça va clairement être une des plus grosses arlésiennes de Nintendo, pour le coup. Hein. Ouais, bah, il sortira dans 2 ans, allez. 3 ans. Alors, la vraie question, ça va sortir, à votre avis, ça va sortir avant ou après Skull and Bones? Le jeu du Ubisoft. En fait, le problème avec Metroid Prime, c'est que Nintendo, ils prennent du temps à développer les jeux. Genre, même Mario Odyssey, ça prend quand même 4 ans. Le truc, c'est que Metroid Prime, maintenant, on sait, genre, on a su le début du développement. Donc, le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps aussi. À moins qu'ils sortent dans 3 ans aussi. Hein. Avant ou après The Lord Scrolls 6? Avant ou après la PS6? Ça dépend si Bethesda nous fait une Elder Scrolls 76. Non, moi je dis avec Elder Scrolls First. Je suis sûr que là, TES 6, il est encore juste dans un bloc-notes sur un vieux Mac perdu au fond. Ouais, ils ont bossé sur Starfield surtout. Oui, de toute façon, ils ont déjà ça. Donc, bon. Bah, il y a 76 là avec leur abonnement. Il doit finir Fallout 76. Leur abonnement à l'année là. Il prépare déjà la lettre d'excuse pour le 3 prochain avec l'annonce de Skyrim Battle Royale. Hein. Bon. C'est un sketch. Troisième et dernière énigme.
Concentrez-vous, les candidats. Réfléchissez bien et ne vous embrouillez pas. Pokémon Sword and Shield. Écoutez. Mon premier est le dernier. Mon second est fiction. Mon troisième est le septième. Mon tout totalise plus de 12 millions. Qui suis-je ? 12 millions. Qu'est-ce qui a fait 12 millions de ventes, la série complète ? Mon premier est le dernier. Mon second est fiction. C'est Mario Kart 8 Et mon troisième est le septième. Ah, c'est Nintendo. Ah, c'est Mario Kart. Non, c'est la série Mario Kart. Bah non, c'est pas 12 millions. Vous êtes au courant du programme de l'émission de ce soir? Vous savez ce dont on va parler dans la suite de l'émission, n'est-ce pas? Ouais, les résultats financiers, oui. Des ventes Switch. Ah oui, c'est la Switch plus Switch. Bah attends, c'est pas la septième. Oula, je suis paumé là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun rapport. D'accord. Ah d'accord. On ne parle pas des résultats financiers de Nintendo. Ah merde. D'accord. Je répète, mon premier est le dernier. Okay. Mon second est une fiction. Mon troisième est le septième. Et mon tout totalise plus de 12 millions. Et suis-je ? J'en ai aucune foutre idée là. Oh là là. Je sais pas. Là, c'est un synonyme. Oh. Bon, je vais attendre la fin du timer si personne me donne. Un indice. Il y en a un, en bas de votre écran. L'indice, c'est écrit sous vos yeux. Ah, oh, faut le jeter sur le stream. Oui. Il y a rien sur le stream. Ah, FF7. Ah oui, d'accord, merci. Mais je l'ai dit. Ah bah oui. Je sais même pas ce qu'il y a. Mince. Oh, alors, je l'ai dit. J'ai dit. T'as pas parlé assez fort, ça compte pas. Tu l'as dit, je l'ai pas entendu. Oui, j'ai dit Final Fantasy 17 et personne a répondu. Je dis ouais, c'est fou. Mais c'est quoi le rapport? Fallait le répéter. C'est vrai qu'ils ont dit il y a pas longtemps qu'il s'était vendu à 12 millions. Ouais, je suis content. Alors, Astral Lion l'a dit sur le chat, c'est pour ça que j'ai dit oh, l'indice vient de s'écrire à l'écran. Elle était pas mal celle-là, hein, avouez-le. Ouais, j'ai mon premier ouais. Et le dernier, bah, final. Hein. Mon second est fiction. Fantasy, c'est une fiction. Ouais. Mon troisième et le septième. Voilà. Forcément, je savais que j'allais vous embrouiller avec ces conneries. Hein. Ça m'a fait rire. Hein. Oh. Et donc... Saleté de vieux. Square Enix déclare que Final Fantasy VII, à travers toutes ses versions, tous ses portages, sur mobile, sur PC, ouais. Sur Switch, etc., et la PS1, bien sûr, ça totalise 12 millions de ventes à travers le monde pour Final Fantasy VII, ce qui est évidemment pas mal, mais en même temps, avec toutes les ressorties qu'il y a, est-ce vraiment étonnant? Je ne crois pas. Ouais. En plus, c'est Final Fantasy VII aussi. Mais oui, voilà, c'est pas n'importe qui. Hein. Je sais pas si on avait les chiffres de FF7 juste sur PS1, histoire de vraiment se rendre compte de la différence entre... Il était pas dans le Guinness des records, FF7 d'ailleurs, par rapport à ce qu'avance. Non mais je crois que PS1 c'est quand même 9 millions, hein, bah, dans le genre, c'est pas non plus... Genre ça reste assez ouf, hein. Non, enfin, quoi qu'il en soit, 9,9 désormais. 9,9 sur PS1, c'est... Je crois. Hein. Ou un truc plus tard, mais genre... je pense qu'il y a au moins 10 millions. Qu'il y a au moins genre 8 millions. Ouais, PS1, c'est possible. Bon, de toute façon, c'était un succès colossal. Allez, agenda de la semaine. Mais non, Pix, oublie pas que FF7 t'a bidé sur PS1 parce que les gens ils préfèrent acheter Excalibur 2555. Ah, la valeur sûre de l'époque. Comme ça.
Et puis, et puis également, parce que les, fans de Nintendo ont appelé à boycotter le jeu, hein, vous savez. Oui, c'est parce qu'il est annoncé sur PC, du coup les gens boycottent, comme pour Death Stranding. Forcément. Oh putain, oui. Ah, bon, après, j'avais vu des tweets, je sais plus qui parlait de Octopath Traveler. Et c'est vrai qu'Octopath Traveler, il est sorti sur PC, mais personne n'a gueulé sur ça, j'ai l'impression. Non, mais c'est juste... Oui, bah, tant mieux. Tant mieux, le jeu est cool, voilà. C'est le pro, ouais, ça va pas chercher de le pro. Ouais, sans doute. Mais enfin bon, les pro Nintendo, des fois. Hein. on veut pas de telle personne dans ce match, c'est pas. Je côtoie les deux, je dirais pas qui est le pire. C'est la force neutre. Tac, enfin bref, tout ça pour dire le X de Xbox. Ah, mais voilà, c'est toujours gagnant. Les pro Game Pass gagnant, Team Game Pass. C'est pas faux. Donc, un agenda assez chargé cette semaine. Il y a quand même pas mal de choses. Forcément, on arrive dans le rush de fin d'année. Hein, c'est la première semaine de novembre. Tout d'abord, on a Black Sad, Under the Sin, qui arrive sur Switch le 5 novembre, édité par Microids. Je sais que c'est un jeu qui intrigue pas mal notre cher Spy, puisque ça met en scène donc le chat détective issu de l'univers de la BD. Je vais le tester si Microids ne m'a pas oublié. Ouais, faut peut-être le rappeler. Donc ça va être un jeu d'enquête, il me semble. Ouais, c'est basé sur la BD Black Sad que j'ai découvert dans mon CDI au lycée, voilà, merci. c'est une BD de style un peu roman noir, du coup, dans lequel on rentre dans un univers où tous les humains sont anthropomorphes, un peu la BoJack Horseman, si vous voulez. Et bref, du coup, on incarne Black Sad, qui est un détective privé. C'est une panthère, c'est ça? Non, c'est un chat noir. C'est un chat, ok. Je pense que c'était une panthère. Un gros, je sais plus. C'est un gros matou. Et du coup, ce gros matou va devoir enquêter sur une affaire de disparition et de meurtre. Et du coup, ça va être le plot de base du jeu. Qui va un peu se jouer comme un Telltale finalement. Donc voilà. Si vous aimez bien l'univers de la BD, faudra voir ce qu'il vaut. Et j'espère qu'il sera bon. Voilà. En tout cas, il est très joli. C'est vrai, c'est vrai. La DA a l'air tout à fait charmante. Mmh. Autre jeu qui sort dans la semaine, le même jour, c'est Just Dance 2020, comme chaque année. Oh, sérieux déjà? Ubisoft Paris. J'avais complètement. C'est toujours en novembre. Alors, vous avez pas la version Wii. C'est étonnant. Je prends la version Wii, moi. Donc, le jeu sort effectivement sur Switch et sur Wii. Et pas sur Wii U. Et ça, c'est mais si, parce que ça va être... si, parce que t'auras une petite étiquette marquée compatible Wii U. Parce que tu peux la passer en mode rétro, ta Wii U. Oh là. La dèche, quand même. Il a déjà fait ça l'année dernière. Putain, vraiment, ils en sont au point. Mais s'il sort sur Wii, c'est qu'il se vend aussi. Bah ouais, non, mais c'est ça. Oui, non, mais bien sûr. La Wii, c'est l'appareil raclette, donc t'achètes ton Just Dance, t'en ressors ta Wii. C'est bon, hein, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en battent les couilles s'il y a la 4K ou quoi. Hein. Après, Astral Ion, bien sûr, qui blague sur le fait qu'il y a un jeu Wii qui sort. Après le dernier jeu 3DS et Wii U. Alors Wii U, bon, je crois qu'il n'y a effectivement plus rien qui sort. 3DS, il y a peut-être 2-3 petits trucs d'éditeurs qui sortent. Non, il n'y a plus rien, je crois. Il n'y a vraiment que dalle. Il y a Furukawa qui a dit que c'est bon, c'est fini, on plie bagage. Ouais, bon. Faut arrêter de déconner. Après, c'est le. Oui, bah oui, normal quoi. Ouais, mais bon, Atlus, ils ont sorti toute leur merde, je crois que c'est bon là. Non, parce que dans les derniers, avec le portage des SMT, Persona Q. Ouais, voilà, les Persona Q, machin truc là. J'aime bien comment Spy il l'a balancé, genre en mode c'est genre la poubelle. Les mecs ils ont claqué genre 3 jeux, je crois, en quelques mois dessus. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont, c'est pas ce qu'ils avaient. Hein. Ils ont voulu de la 3DS. Hein. C'était énorme. Bon, après, souvent t'as des trucs qui sortent 3 ans après chez nous, quoi. Aussi. Bon, mais par contre, pour Persona 5 sur Switch, on peut se le mettre dans le. Voilà. Enfin, bref. Ouais, t'as Scramble, c'est donc, ouais, c'est la suite. Just Dance 2020. Bon, voilà, ça plaira à ceux qui aiment le genre, tout simplement. Alors, par contre, pour la version Wii, je crois que Ubisoft avait déclaré que ça sera le dernier qui sortira sur Wii. Donc, ah bon, on pourra plus faire. Oh non, l'année prochaine. Oh, non, moi, oh, mais dégoûté quand même. Mon sujet, boycott. Non, mais j'aimais trop d'avoir le logo Wii à la fin du trailer. Moi, ça me fait chier. Oui. T'as 3000 logos, maintenant t'avais You, t'avais Stadia en plus de Stadia, ouais. T'avais Stadia, oui. T'avais genre 10 plateformes, ça faisait hurler. Là, finalement, Skyrim, c'est un peu dit rigolo, hein, à côté. Hein.
Allez, bon, une autre célèbre licence, plutôt double licence, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui arrive le 7 novembre, et donc développé par Sega, bien entendu. Donc Tokyo 2020. Et ça, c'est incroyable. Ça. Effectivement, Kanozu va le faire. Rappelle qu'il y a le fameux mode 2D avec les JO de Tokyo 1964, je crois. Ça a l'air tout à fait sympathique. C'est vraiment deep. En plus de Kano, il y en a d'autres qui voudraient le faire. En fait, le problème, c'est qu'il y a déjà trop de jeux ce mois-ci. C'est la craquance. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, il y a la démo qui est sortie. Il y a Luigi la prochaine, il y a Death Stranding, la semaine d'après, il y a Pokémon. Ouais, c'est ça, je vais pas me dire, tiens, j'ai 50 balles, je vais acheter Mario ou Mario Sonic ou Death Stranding. Alors, ou Pokémon. C'est très dur comme choix. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, après, s'il tape 95 de méta, là, je dirais, ah ouais. Alors, par contre, il y a un autre jeu qui va très certainement taper. Il y en a un qui va très certainement taper 95 de méta. Rentrez chez vous, vos Luigi's Mansion 3, vos Death Stranding. C'est Day One, hein. Ah, moi, je l'achète Day One, hein. J'attends plus que Pokémon. Disney, hein. Tsum Tsum, Festival, donc, développé par Namco Bandai. Ça sort le 8 novembre. Qu'est-ce qui donne envie ce jeu? Il a l'air incroyable. Non mais regardez-moi ce design de Luigi Mini. Je l'attends plus que Pokémon. Hein. C'est Day One. Il est toujours pas sorti, mais ce jeu-là, j'ai l'impression qu'il est annoncé depuis 3 ans. Il sort la semaine prochaine. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'il est sur... Ça fait 3 ans qu'il est annoncé. Vous vous souvenez le foire qu'on avait eu à l'émission qui a suivi le direct de son annonce Incroyable. C'était le direct de février. C'est un jeu interne. Et vous savez qu'il y a une console exclusive, genre bundle avec une console spéciale au Japon, Disney Tsum Tsum. Oh putain! Elle est violette et tout, les petites pattes dessus. Ah mais c'est un monument Tsum Tsum au Japon. Et ce qui est très marrant, on en parlera plus en détail après, mais durant la réunion des investisseurs qui a eu lieu hier, le président de Nintendo, Furukawa, il a mentionné donc le soutien des éditeurs tiers pour les jeux à venir. Donc il a cité Mario et Sonic et des trucs comme ça. Et il a cité Tsum Tsum dedans. Ça, c'est merveilleux. Mais par contre, pour l'édition du jeu, alors le truc, c'est, je sais pas si la fiche de Nintendo est tout à fait exacte, de génération Nintendo est tout à fait exacte. Parce que sur la fiche de GN, il y a marqué développé par Namco Bandai et édité par BB Studio Hyde. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Dans le doute, je dis que c'est fait par Namco Bandai, hein, mais... Bon, peut-être qu'ils ont ce truc-là. Je sais pas fait cette fiche. Sur la boîte, il y a bien Namco Bandai. C'est l'éditeur, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Après, peut-être le développeur, c'est quelqu'un d'autre. Pas oui, voilà, c'est peut-être ça. Enfin, bref. autre jeu, New Super Lucky's Tale. Donc, un jeu tout mignon avec le petit renard. Microsoft. Sur PC. Un peu dans un style Zelda-like, hein, si on veut. Vu il est bien, hein. Le jeu est sympa. Avec de la plateforme. Effectivement, oui, le jeu a l'air... Je suis pas cet avis, hein, petit personnel. Bon, ça va, je l'ai trouvé sympa comme plateformeur. Je l'avais fait sur le Game Pass. J'ai fait sur le fameux Game Pass. Il est sorti, non? C'était sur Xbox, il était déjà sur Xbox. Coup, pour Tsum Tsum, on a inversé développeur-éditeur. C'est édité par Namco, mais c'est développé par BB Studio et Hyde. Là, oui, d'accord, ok. c'est pas un nouveau? C'est un reboot, remake, enfin genre c'est l'ancien avec plus de niveaux. C'est une version parce que moi je pensais que c'était le 2, genre je voyais qu'il y avait vraiment une différence. Genre c'est une version plus, si tu veux rajouter des niveaux et des mondes et tout, à l'original. Mais j'ai dit des conneries, j'ai dit c'est un peu un Zelda-like, mais non, je confonds avec Tunic dans ma tête. Ouais, parce que c'est les deux des renards, voilà. C'est pour ça qu'il a confondu. Oui, c'est pour ça que j'ai confondu, et tous les deux, ils étaient... Surtout, tous les deux, ils étaient montrés durant les conférences Microsoft, il me semble, hein, donc c'est pour ça que je confonds. Mais ce New Super Lucky's Tale, il était exclu Microsoft à la base, je crois. Ouais, au début, c'était Microsoft qui avait édité. Mais là, c'est le studio qui s'auto-édite sur Switch. Ouais, exactement, comme Ori, au final. Ouais, et puis comme Outer Worlds aussi. C'est pas Microsoft qui édite sur Switch.
Ouais, c'est Obsidian. Ouais. Yep. Bon, après, Cuphead, c'est Microsoft qui l'a amené. Ouais, Microsoft, ouais, et Ori, c'est Microsoft aussi, donc Cuphead aussi. Ok. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec... Ouais. Alors, c'était un jeu de lancement de la Xbox One X. Ah, bon. Ah, d'accord. Non, pas lancement, impossible. C'était absolument pas lancement. Alors, Lucky Stay, c'était même à la base, c'était un jeu Oculus Rift. Ouais, c'est ça, ouais. Et après, c'est parti sur Xbox One, en tant que projet ID à Xbox, puis après, ça arrive sur Switch. J'ai vu une version différente. Bon, d'accord. Et enfin, autre jeu qui sort cette semaine, la semaine suivante sur Switch, c'est l'aventure Layton, Catriel et la conspiration des millionnaires, tiré édition de luxe, bien sûr. Donc le jeu qui était d'abord sorti sur mobile, puis sur 3DS, puis sur Switch désormais, enfin qui arrive en tout cas en Occident, parce que là-bas c'était Switch que au Japon, je crois. Bref, le jeu de Level 5. Qui n'avait pas vraiment plu à Mega Magus dans sa version 3DS, hein. Il avait trouvé le jeu un peu pas très ambitieux finalement. Mais bon, c'est un petit peu la seule aventure de l'univers de Layton qu'on a à se mettre sous la main depuis quelques années, faut bien l'avouer. Donc on fait avec ce qu'on a. Je pense pas que ça vous hype plus que ça. J'ai entendu que du mal déjà, on m'a dit que vraiment c'était le moins beau des Layton. De très loin. Bah ouais, bah pareil. Hein. Et puis en fait, le truc qui m'embête, c'est que de ce qu'on m'a dit, alors de ce que Retro m'a dit, parce que évidemment notre source à tous c'est Retro pour ce jeu, c'est en fait, genre les Layton, ça a toujours été une histoire parsemée d'énigmes du coup, mais là apparemment c'est vraiment plutôt des énigmes en fait, et que des mini-histoires prétextes au fur et à mesure. T'as pas genre un gros. C'est un jeu d'énigmes parsemé d'histoires en fait. C'est ça en fait, c'est là des mini-histoires pas très intéressantes. C'est pour ça que ça me sauce pas trop. Si au moins t'avais une belle histoire comme dans les 6 premiers Layton. Ouais. Mais là, il n'y a pas, donc vraiment pas intéressé. Tac, je sais que ma maman, qui est une grosse doseuse, a bien aimé. Mais voilà. Elle a peut-être pas les mêmes attentes que vous. Mais du coup, à chaque fois, c'était le cadeau de Noël, Layton. Tous les ans, c'est le cadeau de Noël que je fais à ma mère. Et du coup, là, vu que c'est une version plus, je vais pas m'embêter. Quoi, mais... J'espère qu'il fera d'autres Layton l'année prochaine, sinon je vais être à court d'idées. Voilà. Ouais, je sais pas. Bah, sinon, peut-être qu'elle aime bien les Ace Attorney aussi. Hein. Je voulais lui faire essayer s'attendait versus Layton, mais je le trouvais plus à ce moment-là, parce que il a pris une cote de dingue entre deux jeux. Ah ouais, mais le tirage la version 3DS, sérieux ? Ah ouais. Ah ouais ? Putain, c'est ouf. Ah d'accord. Ah bon ? Bon. En tout cas, je le trouvais jamais en dessous de son prix de base, quoi, genre toujours 40 balles. Ah mais c'est les jeux 3DS de début de GN, et maintenant ils vont commencer à monter. Ouais, mais Layton versus... Ah, il a vraiment été tiré très peu. Alors qu'il a une VF entière. Ouais, parce que c'est Level 5 qui avait voulu forcer pour le ramener. Dont Phoenix Wright doublé par... Donald Regno. Exact. Ah ouais. Ah ouais, Spider-Man. Budget, quand même. Ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est vraiment Level 5, parce que Capcom, ils avaient la flemme, hein, comme d'hab, mais Level 5, ils ont fait non, on le ramène et tout. Hein. MDR, 122€ à la FNAC, merci. Oh putain. Non, effectivement, il cote un peu beaucoup. Bien, allez, on va parler du jeu qui est sorti cette semaine. Le jeu que vous attendiez tous, bien entendu. Ah ouais. Tac. Mais du coup, je peux passer un message. Capcom, sortez et s'attendez trilogie en boîte, comme ça je peux l'offrir en cadeau de Noël à ma maman. Et ça vous fait une vente, voilà. Achète-lui une carte e-shop, non, c'est pas ça. Mais la flemme, elle a même pas de Switch, je vais pas lui faire. Tiens, maman, une carte e-shop. Oh, merci, quel beau cadeau de Noël, quoi. Après, je t'avouerai que la carte e-shop, quand j'ai certains amis qui ont un anniversaire, c'est, ouais, j'ai, non, mais j'ai déjà offert une carte connais, e-shop, et c'est sympa. Voilà, non, parce que tu les connais. Utiliser, tu vois, je me vois mal offrir ça à ma mère pour Noël, quoi. Ça m'a plus pitié, ouais, quoi. Ouais, oui, pour un proche, c'est vrai que... Ouais. Enfin bon, donc... C'est comme si je lui filais un billet de 25 balles, quoi, genre, ça n'a aucun sens. Oui, ouais, j'avoue, ouais. Ouais, je comprends. Luigi's Mansion 3, c'est sorti le 31 octobre 2019, c'était hier, bien entendu. Luigi's Mansion 3, il était attendu, moi en tout cas, je l'attendais énormément, même avant qu'il soit annoncé, à chaque E3 il était dans mon bingo, hein, c'est de dire. Ouf, hein. Ah là 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 là. Il est enfin sorti, il a été critiqué par absolument tout le monde. Tout le monde le hait, c'est un jeu. Le voici, verdict. Game Cult, 8 sur 10, puissance Nintendo, 18 sur 20, Nintendo Master, 9 sur 10,
jeuxvideo.com, 18 sur 20. Bon. Même si jeuxvideo.com, il n'y a eu que 3 paragraphes. Hein, c'était le meilleur review. Hein. Il avait la flemme, fallait pas trop en dévoiler, hein, bien sûr. Parler des musiques, ça serait spoilé. Il n'y a même pas un mot sur la musique, la technique ou quoi. Ils s'en battent. Il y a Jumpman qui arrive sur le chat juste au moment où on parle, voilà. On parle d'un jeu. Je vais dire sur la musique, c'est toujours moins bien que le 1. Oh, je suis pas d'accord sur la musique. Ouais. Elle est quand même très bien. Bah, de ce que j'ai entendu, c'est comme des petites boucles, quoi. Genre, c'est pas non plus... Mais non, mais c'est pas ça le problème, c'est que le 1, c'est vraiment un gros travail sur le sound design et tout. De ce que j'ai écouté de Riffle, c'est sympathique, mais c'est vrai que bon, le 1, il y a quand même une science de la mise en scène qui. Ah, mais là, je trouve que le jeu est quand même vraiment poussé aussi. Je continue juste les notes. Millennium 90%, Gameblog 9 sur 10, GameSpot 8 sur 10, IGN 8,3 sur 10, c'est la même note que Pokémon Ruby, Omega, Sapphire Alpha, hein, juste pour lire. Nintendo Enthusiast, ils sont très enthousiastes avec 9 sur 10, Nintendo Life 9 sur 10, Nintendo World Report 8 sur 10, Nintendo Insider 8 sur 10, Destructoid 9 sur 10, Game Informer 8,5 sur 10, CG Magazine 9 sur 10, Twin Infinite, 4 sur 5, pour un Metacritic de 86%. Avec 74 reviews. Sur 74 reviews, il n'y a que 2 reviews mitigées, donc c'est-à-dire 70-60 à peu près, et aucune négative. Globalement, de ce qu'on peut voir dans les reviews, il y a très peu de notes parfaites, donc 10 sur 10, mais il y a énormément de 8 et de 9 sur 10, à peu près tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un... C'est la bonne cam. C'est une grosse dôme. Ouais, c'est vrai que c'est un peu une... Je crois que 86, déjà Death Stranding, 86... Meilleure note que Death Stranding, c'est le meilleur jeu de voir. Ouais, deux jeux de boost, hein, parce que... Il y en a un qui a été développé en 3 ans, l'autre en 6 ans. 6 ans, ah, exact, voilà, jeu, tout s'explique. Au final, tout s'explique. 6 ans pour un jeu nul, ça en fait... En plus, il y a plus de gens d'Excel Games qu'à Kojima Production. Mais de toute façon, pour moi, Kojima, c'est le David Cage japonais. Oui, alors ça je suis... Oh, t'es méchant, va te faire. franchement, oui, vu tout le... ce qu'il y a sur lui, en plus il y a ce côté que j'aime pas chez lui, c'est il a une frustration par rapport à tous ses jeux cinématographiques. Oui, il fait des bons jeux par rapport à David Cage, oui, je suis méchant. Je veux dire qu'il a une frustration, je pense qu'il devrait plus faire des films que des jeux. T'es jaloux, frérot, cherche pas. Je suis pas jaloux. C'est jaloux pour la vie. Il est jaloux. Enfin, on va repasser sur Luigi's Mansion quand même, parce que Jumpman dans le chat nous dit, par rapport aux musiques, c'est juste que le 1, ben, depuis le temps, la musique, forcément, elle est iconique, parce que... Je trouve aussi. Dans les jeux suivants, forcément, elle a été remixée, elle a été réorchestrée dans tous les sens. Je trouve pas que ce soit moins bien du tout, en fait. Je trouve que c'est juste nouveau, en fait, et comme les gens connaissent par cœur Luigi's Mansion 1, qui je rappelle, dure 5 heures, donc les musiques, t'as le temps de les retenir, hein. Bien sûr. Mais... C'est 5 heures cool. C'est 5 heures cool, mais c'est juste 5 heures, quoi, quand même. Ouais, c'est court, ouais. C'est quand même vachement court. Je trouve pas que musicalement, ou au niveau du sound design, on perd quoi que ce soit. Je trouve que genre... Je suis pas d'accord. Alors là, t'as tort. Je pense que le changement... Ça va le savoir. Le changement, c'est sûrement en fait que c'est moins réaliste, en fait, parce que le 1, c'est un jeu qui essaie d'être très photoréaliste. Et les deux suivants, pas du tout, en fait, c'est une autre direction. Je crois que ce soit moins bien. Oui, en fait, dans l'ambiance visuelle, c'est vrai que le premier était quand même assez sombre, bon, même si ça restait une parodie de Resident Evil. Il y avait quand même une ambiance presque inquiétante, quoi. Hein. Et c'est vrai que le 2 et surtout le 3, ça c'est d'autant plus accentué, parce que bon, on est sur une console qui a de meilleures capacités. On a surtout une ambiance qui est très spooky. Alors, non, cette émission va pas se terminer comme Joker, monsieur Spike. Je refuse. Putain, elle s'est mise sur Joker, c'est Luigi's Mansion, qu'est-ce que ça veut dire? Y'a Pix à faire, elle est moins bien la musique, et Kazuzu à faire, voilà ce que tu viens, il t'enculé. Le problème, c'est que c'est moi le présentateur. Mais t'es une tragédie. Donc je disais, l'ambiance ici elle est beaucoup plus spooky, elle est plus à la Disney si vous voulez, mais aussi à la Tim Burton, à l'étrange Noël de Monsieur Jack, tout ça. Donc ça fait pas vraiment peur, mais enfin moi j'adore en tout cas ce genre d'ambiance, et je pense que Kanuzu c'est ce qu'il voulait dire aussi.
C'est difficile de rebondir après les conneries qu'on vient de... désolé. On va quand même lire d'autres messages peut-être plus intéressants sur le chat, hein, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y en a qui ont le thème principal en tête, là ? Mais bien sûr, tout le monde l'a en tête, le thème principal de Luigi's Mansion. Et le thème principal du 2, oh que non ! Ah si. Gloomy Manor, il rentre très facilement en tête. Hein. Et ça, voilà, le 2, je l'aime bien quand même. Non, ouais, oui, voilà. C'est vrai, il est sympa. La musique est bien. Next Level Game, on va trop le reprocher. Non, mais en vrai, j'ai pas dit ça. Les musiques sont bien. Mais le truc, c'est que je préfère la façon de ramener les musiques dans le 1. Parce que dans le 1, tout est basé sur un leitmotiv, le thème principal. Genre, quand il y a la lumière, t'as Luigi ici. Quand tout est sombre, t'as Luigi, il gémit. Et genre, t'as la musique en même temps. Quand t'es dehors, t'as toujours le leitmotiv et t'as un petit truc à la guitare. Tout se joue sur le main theme et je trouve ça assez ouf que toute l'ambiance du jeu se crée pas non plus dans le manoir sombre mais se crée autour de la musique. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours, y a toujours une touche pour crier Mario ou pas ? Ouais. Oui, finalement. C'est pas, t'as même deux différences. Ouais. Au début, je croyais qu'il y avait pas et en fait, si, avec. Je préfère le sale con, mais je préfère les cris de Luigi's Mansion 1. Mario ! Ah, c'est bon là ! Je suis désolé, les problèmes là. Il y en a un, c'est le même. Il y en a un, ils ont le même. Je vais vous dire la vérité. Dans Luigi's Mansion 1, t'as 4 cris différents. Dans Luigi's Mansion 3, t'en as 2 et ils sont pas ouf. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, ils varient en fonction de si t'es en combat ou pas. Quand t'es en combat, t'en as 2 autres. Ok, bon, mais ça fait 4. Ça fait 4, exactement pareil. Et 4 sont sensationnels. Mais t'as pas le. Je sais pas la désinformation passée sur cette émission. Tu veux une bonne blague ? Tu veux une blague ? Ne tire pas sur Pix. Qu'est-ce qu'on obtient quand on met que 3 cris dans les Luigi's Mansion ? Un podcast sur Luigi finit en guerre civile. Explication. Ne tire pas. Ici, on n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. On est là pour défoncer sa race. Non mais après c'est juste moi qui est genre totalement adepte de l'ambiance du 1 et je serais pas plus ça jamais. Je suis très d'accord. Je dirais que musicalement et au niveau du sound design, c'est genre en fait comme c'était novateur aussi, comme c'était un truc vraiment nouveau, ça a marqué. Moi ça m'avait marqué. Genre pour moi c'est un des trucs préférés du 1, genre pas genre tout après le 2 et le 3 c'est juste différent, c'est juste que ça marque moins parce que c'est juste des musiques. Bah c'est des musiques quoi, c'est tout, c'est pas du sound design qu'on peut en parler, après t'as toujours les petits bruits et tout, voilà quoi. C'est Jumpman donc, qui reposait un peu mieux sa question. C'est le thème du 3 en fait, il demande si on l'a en tête le thème du 3, et je vais te répondre non, clairement pas. Le thème du 3, ben, je crois qu'on l'entend qu'à l'écran titre en fait, et justement c'est pour ça que tu le retiens pas, parce que le thème principal, ben, il passe quasiment jamais, alors qu'effectivement dans le 1, bon, si on accepte le fait qu'il est iconique, et que tu prends en compte que le premier jeu, bah effectivement, dans le 1, pendant quasiment tout le jeu, t'as le main theme qui va être remixé de différentes manières. Alors Jumpman, tu dis qu'on l'entend plus de fois que ça, c'est possible, oui, peut-être, mais tu vois, là, immédiatement, si je pense à des musiques originales de Luigi's Mansion 3, j'ai plus en tête le thème quand tu affrontes des fantômes, quand tu affrontes des mobs. La petite musique au piano, là. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ? Je préfère celui... Et nous accueillons notre nouvel invité, Joker. Ah non, mais moi j'ai toujours été... Moi, c'est toujours Luigi's Mansion 1 mon préféré, je pense. Mais franchement, le 3, il est très normal. Après, le 1, tu vois, il est court et tout, mais genre, j'ai vraiment trop fort souvenir avec. Et puis même. Il est court, mais voilà. Mais genre, en fait, il a trop d'ambition, le 1. Genre, il m'a trop mis sur le cul. Genre, c'est une claque dans la gueule, je trouve. Mais après, le 2 et le 3, je trouve, ils sont fun, tu vois. Bon, le 2, il m'avait déçu, voilà. Oui, bah voilà, après le 2, tout le monde sait c'est quoi le défaut, bah, c'est le rythme qui a chuté, quoi. Le 2, je trouve très très moyen, mais par contre, le 3, tu vois, à l'inverse, même s'il reprend plein d'éléments du 2, il a écouté, il prend plein d'éléments du 1 aussi. Et il fait des gros efforts par rapport à ce que j'ai apprécié. Aux États-Unis, il s'appelle Luigi's Mansion 3, mais le 2, il s'appelle Dark Moon. Il joue juste Dark Moon. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est bizarre.
Mais du coup, le fait que dans le 3, t'as quand même genre chaque niveau à son genre fantôme unique et tout, ça se voit vraiment qu'ils ont voulu faire un peu le Lee's Mansion 1 à faire en sorte qu'il y ait une vie dans cet hôtel et j'ai apprécié ça. Ouais. Et les enfin, ont des prénoms aussi. Oui, ils ont tous des prénoms. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas une petite description. Ah oui, 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 dans le. Il y a des jeux de mots aussi dans leurs prénoms, c'est rigolo. Oui, oui, il y a des jeux de mots, puis ils ont remis les bouts et j'étais trop heureux. Ça. Ouais, c'est trop bien ça. Oh, les bouts. Mais ça, c'est ça qui fait plaisir. Ils ont repris des éléments du 1. Il y a quand même. Et ce que j'ai bien aimé, c'est super dramatique la musique. Dans le 2, il y avait des bouts, mais c'était seulement à la fin du jeu. Oui, c'était pas. C'était bof. Du coup, t'avais pas trop envie. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas aimé le 2, donc. Moi non plus. C'est en fait l'aspect mission et tout, c'était bizarre et tout. Ouais, moi, je voulais voilà, rester dans le rythme. C'est un jeu console portable, quoi. Et par contre, ce que je trouve ouf, c'est dans le Lee's Mansion 3, il y a des déchargements, mais ils sont ultra cachés, donc t'as l'impression qu'il y en a zéro. Genre, j'aime trop ça. C'est intéressant que les autosaves, ils mettent 10 secondes à s'activer quand tu rentres dans une pièce. Et le jeu, tu le dis même, il te dit, bon, si tu veux save, tu restes dans une pièce pendant 10 secondes, après tu ressors. Voilà, bon, après, dans. C'est intéressant. Ouais, après, de toute façon, des autosaves, t'en as quasiment tout le temps, quoi, donc... voilà, ouais, c'est essentiel, cool. C'est non, ça, donc, j'apprécie, vraiment. Au moins, t'as jamais de problème, quoi, si jamais tu quittes le jeu pour y souvenir avec raison, t'as pas à te dire, merde, faut que j'aille quelque part pour que ça déclenche autosave. Non, tu sais que, voilà, tu vas quasiment rien perdre, quoi, de toute façon. Ça me fait un peu penser à Breath of the Wild, il était comme ça aussi, tous les 200 mètres, tous les 5 minutes, t'avais une autosave, quoi. Et d'ailleurs, quand tu veux relancer le jeu... Pour ceux qui ont eu besoin de relancer le jeu et qui n'auraient pas passé toute leur vie dessus. ouais, pour Luigi's Mansion 3. Ah bah j'ai fini Red Dead 2. Hein. Tu peux comment dire choisir différentes sauvegardes. T'as tes trois dernières sauvegardes oui, en vrai. Fait. Bah, un peu moi comme ce que j'attends, est-ce que l'écran titre va changer quand on va finir le jeu et là ça va être deep. Bonne question. Je pense qu'il y a moyen genre l'écran genre en mode visual novel l'écran titre il change à la fin. Comme Xenoblade, tiens. De toute façon, ça va se finir sur la mort de Luigi et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se déroule. par évidemment la mort de Castlevania. Non, mais il y a un gros sacrifice, hein, je call. C'est pas du spoil, c'est une théorie que je. On verra bien là. Théorie. Mais en fait, il faut expliquer Mario 64 et tout, donc je dis que c'est le bon moment. Bah ouais, c'est la timeline. C'est le moment où tu vois Luigi il est plus dans les jeux Mario 3D, tu vois, il y a une explication derrière tout ça, du coup je me dis que Luigi Mansion 3 peut-être y répond. La fameuse timeline, hein, monsieur. Bah officiellement il y a une timeline, elle pour l'instant elle est logique. Elle is real. Mais voilà, c'est la tombe de Luigi tout simplement, et du coup faut bien comprendre comment il a pu en arriver là. ouais, je sais pas comment rebondir là-dessus. Non, mais bon, sinon, bon, au niveau du gameplay en lui-même, j'en avais parlé un petit peu dans mes lives, la visée est un petit peu déstabilisante quand même. C'est un peu dur au début. Tu t'habitues, je pense. Et moi, je vous pose la question, du coup, à Copan et Kano qui ont pas mal dosé le jeu. La visée, vous avez changé le type de visée ou pas? Moi, j'arrive à jouer par défaut, donc je laisse Kano parler d'abord. J'ai juste enlevé le gyroscope, moi. J'ai testé un peu, moi j'ai laissé le gyroscope au contraire, mais j'ai testé un peu avec les trucs qu'on peut changer, mais finalement de défaut c'est le meilleur je trouve. Ah ouais, alors moi j'ai joué un peu par défaut pendant une heure ou deux, et ça m'a vraiment déstabilisé parce que, pour expliquer, je prends la manette en main pour expliquer, quand tu appuies, quand tu diriges le stick droit vers le haut ou le bas, bon ben c'est logique, hein, il va pointer l'aspirateur ou la lampe vers le haut ou le bas. Par contre, gauche ou droite, il va commencer à faire une rotation, mais sans s'arrêter. C'est-à-dire, si tu pousses ce stick vers la droite, il va tourner à droite, mais il va pas s'arrêter. C'est-à-dire, il va continuer à faire un 360 degrés. Et je trouve ça super perturbant, en fait. Vraiment, j'aime pas du tout. Et en fait, si tu vas dans les options et que tu choisis d'avoir visée horizontale au stick... putain, je vois que dans le chat, ça pose des... ça pose des musiques. Bon, j'écouterai ça plus tard. Qu'est-ce que je disais? Donc, moi, j'ai choisi de changer dans les paramètres pour avoir uniquement la visée horizontale avec le stick. Et donc, comme ça, si je mets le stick vers la droite, Luigi, il pointe à droite, point barre, c'est tout. Et il continue pas à tourner comme un mongol. Mais du coup, par contre, il faut avoir le gyroscope pour aller vers le haut ou le bas. Parce que sinon, bah, t'es coincé. Et
je trouve ça un peu bizarre aussi, hein, c'est pas non plus intuitif, mais ça me perturbe moins que la visée par défaut, quoi. Donc ouais, c'est un peu étrange, mais bon, après j'imagine qu'on s'y fait avec le temps. Ensuite, bon, autre point qu'on a pas forcément pu aborder tout de suite, c'est le multijoueur, et d'ailleurs, j'ai pas testé encore. Je le redis à vous qui êtes là ce soir et peut-être à des personnes du chat si jamais. Bon, vous savez qu'en ce moment je fais des lives sur Lilith Dungeon 3. Demain soir, on se fera une session multijoueur sur le Twitch. Donc on pourra se rejoindre pour jouer en live tout simplement. À ce mode multijoueur pour pouvoir tester tout ça. On rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, donc apparemment il devrait y avoir de la place. Ensuite, Jobman dit vous avez vu qu'on peut jouer quasi entièrement sans utiliser les boutons A, B, X, Y. Ah bon ? Oui, il y a des raccourcis en fait, cachés. Pour la lampe, tu veux dire, tu peux faire LN tout. Ouais, pour l'aspiration, ouais, la lampe et la ventouse. Ah putain, ah ouais, mais c'est vachement mieux. Bah, l'aspiration. En fait, c'est juste comme l'original. Et du coup, ça facilite en fait. Ouais. Oui, ça facilite en fait la visée. Carrément. Parce que effectivement, l'aspiration et le souffle, j'utilise ZR et ZL, normal. Mais c'est vrai que, vu que je savais pas, la lampe, je faisais A et X. Et c'est vrai que diriger le stick en même temps. Là, t'es obligé de prendre le pouce gauche en vrai, donc c'est un petit peu chiant. Mais là, du coup, je savais pas qu'avec L et R, voilà, L c'est pour la lampe flash, et R c'est pour. R c'est pour lancer les ventouses, et L plus R en même temps c'est pour la lampe qui révèle les trucs invisibles. Oh sa mère, breaking news. Qu'est-ce qu'il y a ? Spider-Verse 2 daté. Ah ! Le film, donc Spider-Verse. Ah, il y a une suite. Sortira le 8 avril 2022. Attends. C'est ça, oui, j'appuie sur le bouton 2022. Rouge nucléaire. C'est pas tout de suite. On a... Oh my god. Donc, breaking news qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais bon, on fait comme jeuxvideo.com, on fait une news dès qu'il y a un film qui a une bande-annonce, hein, voilà. Spider-Verse, Spider-Man Into the Multiverse, là, le film d'animation a une suite, et il sortira le 8 avril 2022. Ça vient d'être confirmé par Sony Animation. Voilours, bon... Retour sur Luigi. Ben oui, Luigi pour la breaking news, mais ça a toujours été comme ça, Jumpman. Luigi, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ? On a déjà parlé. J'imagine qu'on aura un avis plus complet à redonner la semaine prochaine. Hein, de toute façon, certainement fini le jeu ou on sera assez loin. J'aurais fini peut-être ce soir ou demain, ça dépend de comment. Bon, il est pas très long. J'ai quand même le jeu me donne envie. Contrairement aux deux, c'est vrai. Le jeu me donne quand même envie d'essayer de le faire à 100%, parce qu'on voit qu'il y a, il y a des gemmes et des bouts de partout, et ça a l'air très cool. En plus, tu peux les localiser, c'est cool, en dépensant de l'argent. Par contre, c'est vrai que l'argent, t'en récupères absolument partout. J'adore le fait de pouvoir interagir avec tout n'importe quoi, c'est super marrant. Mais par contre, du fric, t'en récupères tellement, et en fait, tu sais pas quoi en foutre, quoi. C'est... À moins qu'on débloque un autre truc par la suite, mais... Il me semble que dans le 2, tu pouvais améliorer ton aspirateur, et là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. En tout cas, pour l'instant, dans mon aventure, mais... À moins que ça change par la suite, hein, mais bon. Enfin, voilà, je pense qu'on va... On va s'arrêter là pour nos premiers avis sur Luigi's Mansion 3. Vivement le 4. Vivement le 4 qui reprendra vraiment Luigi's Mansion 1, 2, Z. Bien sûr. Et qui fera aussi 4 heures. Bah, je préfère. Ouais, mais non. Je préfère 4 heures d'excellence que 20 heures de bof. Ouais, mais non. Il dit tout ce que j'ai pas dit. Ouais. Bon, bah je sens que je vais sortir mon bloc-notes et noter une idée de prochaine question Master Race, hein, parce que ça Luigi's Mansion 1, intéressant. Luigi's Mansion 3, vraiment, c'est pas une question, c'est le 1. Gage, je vais pas sur une balle, c'est un jeu que je finis en le temps de bouffer un sandwich, mais gage.
Enfin bref, pause musicale. Pause musicale avant de s'attaquer. Grosse news, mais Dieu sait qu'il y en a. Allez, à tout de suite, on va s'écouter le main theme de Zelda Breath of the Wild en mode Lofi Remix. Allez, à tout de suite.
Et on est back. On est back dans les bons gros bacs. Alors, donc, c'était le thème principal remixé par Glitch X City, une chaîne YouTube que j'aime plutôt bien, qui fait pas mal de remix de Pokémon, notamment, et aussi d'autres. Eh bien, d'autres univers de Nintendo, bien entendu. Et Pokémon, eh ben justement, il va falloir en parler. Ah, encore là, là, là. Ah, yes. Falloir en parler. Je m'étais dit, voilà, il y en a un quand même qui s'en réjouit. Non, mais vous en faites pas, il y a pas énormément de choses sur Pokémon. Il n'y a pas vraiment de points fâcheux, ce coup-ci, je dois dire. Ouais, non. Donc, rassurez-vous. Allez, c'est parti pour le tour des news en moins de 180 minutes. De 80 minutes, pas de 180 minutes, enfin, je suis complètement fou, moi. Ah, c'est bon, si on a besoin de 180 minutes pour parler de tout ce dont on va parler, ça va être compliqué. Hein. Après, on sait pas, hein. Il y a quand même des choses à dire. Alors, tout d'abord, on va devoir parler du point Pokémon que je vous ai dit. Mais tout d'abord, vous savez, il y a une bande-annonce, il y a donc la nouvelle série animée qui va arriver prochainement au Japon. Et on a une première bande-annonce qui est sortie, qui a été diffusée au Japon en tout cas. Et donc, comme vous le savez, Sacha va partir à l'aventure avec un nouveau personnage, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je sais plus s'il a été donné. Et pour faire un tour du monde. Alors, il s'agira pas vraiment... comment il s'appelle ? Le nom du perso, Go. Il s'appelle Go, ouais. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce sera pas totalement un reboot, hein, contrairement à ce qui a pu être dit peut-être par certains sites, puisque normalement, c'est censé être la suite des aventures de Sacha, puisque à la fin de l'arc Sun Moon, il le dit, qu'il souhaite faire un tour du monde. Mais cela dit, on connaît déjà le thème du tout premier épisode qui sera diffusé. Ça s'appellera La naissance de Pikachu. Et donc, on peut voir... C'est l'origine story. Eh oui, une origine story de Pikachu. Sur Pikachu. Non mais là, c'est-à-dire qu'on est atteint donc... point, genre c'est le final de la série, on va savoir tout sur tout. C'est dingue, hein. Et donc, on verra Pikachu lorsqu'il a été... On verra Pikachu lorsqu'il n'était qu'un Pichu. Okay. Et ça, c'est incroyable. Et ensuite, on verra la rencontre entre Sacha et Pikachu, mais du point de vue de Pikachu, ce coup-ci. Donc ça sera assez intéressant de voir. Intéressant, j'avoue, c'est intéressant, ouais. Ah oui, comme dans Jean-Luc Brunier, oui. Il veut dire « Je te déteste, avant toi j'avais une femme et des enfants. » Genre, j'avais jamais percuté que du coup, Pikachu, à la base, c'était un Pichu, parce que genre, dans Kanto, il y a pas de Pichu, ça n'existe pas. Bah oui, c'est ça. Mais... Bah, genre, c'est quoi cette hérésie? Mais non, c'est le type, justement. Et ils font du retcon en fait, vu que. En même temps, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre que soudainement ils nous disent bah Pikachu il est né comme ça quoi. Mais genre, je sais pas, ça me semble bizarre. Bah, non, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les nouveaux Pokémon donc ils pouvaient pas dire. Comment il est venu Pichu en Pikachu déjà? C'est par bonheur? Avec le bonheur. Ouais. Ouais, c'est par bonheur, ouais. Il y a Carapistouille. Jumpman se demande. Quand c'était un Pichu, est-ce qu'il était déjà différent des autres Pichu? Eh ouais, on se le demande. Est-ce qu'il avait une licence, saura dans... Est-ce que du coup, quand ses deux parents ont accouplé, il y avait aussi une Volt Ball, une balle lumière? C'est pour ça qu'il a Electacle après. Est-ce qu'il va expliquer ça dans l'épisode? Alors moi, ce que j'aimerais surtout savoir, est-ce que l'un des deux parents, c'était un métamorphe? Oh putain. C'est la bonne question, ouais. Putain, en fait, on va apprendre que... À la base, c'est un gamin qui faisait du farming de Pikachu, il l'a abandonné comme une vieille merde. Et surtout... Mais il était presque parfait, en fait. Et surtout que la mère couchait avec son propre fils. Ah oui, je veux dire, quand tu fais du breeding sur Pokémon, souvent t'es obligé d'en arriver là. Hein. On rappelle que pour que les IV se transmettent, c'est ce qu'il faut faire, hein, au bout d'un moment... C'est dégueulasse, il est vrai. Évidemment, ça va être beaucoup plus mignon que cela. Vous avez quelque chose à rajouter sur cette bande-annonce d'animé? J'ai hâte, hein. Alors, ça pas. Moi, je vais mater chaque semaine. Déjà, je mate Sun and Moon depuis je sais
depuis plusieurs semaines déjà. Là, alors moi, j'ai un peu sauté Sun and Moon parce que genre j'avais juste plus la Pokémania, donc je regardais plus trop. Là, je dirais que moi, j'ai pas la Pokémania, c'est juste que l'anime, il est bien, tu vois. Ça là, moi, je regarde plus trop les séries Pokémon, effectivement. Je suis comme Kano, j'arrive pas... J'arrive pas à regarder un épisode. C'est dommage, c'est mieux que le jeu. Je regarde pas depuis quand. Enfin bref, c'est vrai, la véritable question, est-ce qu'il y aura les 1000 Pokémon et quelques dans la série animée, bien sûr, on se le demande. Bah, ils auront le temps, je pense, que ça fera 300 épisodes encore. Bah oui, pour les introduire. On va donc passer au jeu en lui-même. Donc tout d'abord, je vais vous diffuser le dernier trailer qui est sorti. Un trailer, je dois bien l'avouer, qui est plutôt sympathique. C'est un trailer qui dure 5 minutes, où en gros, c'est un peu un récap de tout ce qu'on a su jusqu'ici. Alors bon, je voyais un petit peu chipoter sur le fait que quand les comptes officiels Twitter de Pokémon nous disaient « Oh, demain, il y a les nouvelles recherches de Galar qui vont sortir », ça aurait peut-être été bien de sortir un trailer comme ça. Hein. Ça aurait été un petit peu plus hypant. Hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que le live, il est cool. Oui, voilà, aussi le live. Bon, ça, c'est encore autre chose. Hein. On va pas revenir dessus. Bah, ce trailer-là, il reste 2 semaines pour la fin de la sortie du jeu. Hein. Oui, mais enfin bon, je veux dire, ce trailer-là, sincèrement, il est bien, je trouve. Il est sympathique, tu vois. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Et je sais pas, je me dis, dans tous les autres... dans tout ce qui était censé être gros trailer, dans les directs, etc., bah... À chaque fois, je me disais, ouais, ils présentent juste les nouvelles features comme ça. Oui. Je sais ce que tu veux dire. Enfin, j'avais l'impression que ça vendait pas du rêve, quoi. Il n'y avait pas de mise en scène. Soleil et Lune était un peu plus hypant. Ouais, ils montraient tout, au moins t'es sûr. Parce que je veux dire, on a pas mal débattu sur le contenu des trailers, de tout ce qui est révélé. Et moi, c'est pas, en vérité, c'est pas vraiment ce qui me gêne. C'est pas vraiment le contenu qui me gêne. C'est pas le nombre de Pokémon révélés qui me gêne, c'est pas ça, c'est plus la forme en elle-même, quoi. Et c'est vrai que typiquement le trailer qui était sorti pour montrer les 5 nouvelles Dynamax, c'était l'oseffrie incroyable, quoi. Enfin, je veux dire, les Dynamax en eux-mêmes, bon, pourquoi pas, oui, d'accord, c'est sympa, mais bon, ça vendait pas du rêve, quoi. Et là, le trailer que vous voyez, vous avez pas la musique qui va avec, mais c'est quand même un peu plus sympathique. Il y a la mise en scène, tu vois des plans de caméra différents. Enfin. Mmh, mmh. C'est un trailer, quoi. Incroyable. Bah, c'est un peu proche de la sortie, ouais. Enfin bref, on va pas chipoter là-dessus. Mais on a quand même deux petites news qui méritent quand même d'être discutées. Tout d'abord, vous savez, Toby Fox, il a taffé sur l'OST de... comment il s'appelle, Little Town Hero. Effectivement, qui a été développé par Game Freak, eh bien, le bougre a eu quand même la chance de composer une musique pour les nouveaux Pokémon épée et bouclier. Et donc, je vais pas pouvoir vous le diffuser maintenant, mais ça se trouve sur le net, il y a un extrait qui est disponible, et c'est plutôt sympathique. Toby Fox nous déclare néanmoins que ce sera pas un thème qui sera entendu dans un moment super important du jeu, hein, et que ça arrivera plutôt dans le post-game, donc on n'entendra pas tout de suite en tout cas, mais voilà, quoi, ça a quand même le mérite d'être là, quoi. Il y a quand même sacrément de la chance, Toby Fox, faut dire ce qui est. Vous l'avez entendu, vous, je pense, la musique? Oui, elle est super cool. Ouais, vraiment, vraiment cool. Apparemment, c'est pour quelque chose de post-game. J'imagine la Battle Frontier ou quoi. Mais oui, elle est vraiment super cool. Comme beaucoup de musique qu'on a entendu, comme là, elle fait vraiment très Undertale. Hein. Elle fait très Toby Fox. En fait, c'est bien, on sent la patte Toby Fox, mais il y a quand même la patte aussi Pokémon, dans le rythme un peu, certaines sections. Du coup, il a réussi à un compromis, mettre sa propre, son propre style, en fait, qu'on connaît d'Undertale. Et il a gardé le côté musique de Pokémon, en fait. Du coup, c'est ça qui est bien, en fait. Genre, le morceau fait morceau Pokémon, quoi. Ouais, c'est vrai. On sent quand même qu'il y a le support est respecté, quoi. Il va falloir que Toby Fox ait une discussion sérieuse avec Shige Sato, Itoi et Nintendo.
Bah oui, pourquoi pas faire un remake carrément de Mother 3 où il refait toutes les musiques. Ah oui, hein, tant qu'à faire. Et donc, autre news un peu plus étonnante, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais bon. Donc, le pré-téléchargement des jeux Pokémon est disponible. Alors, on va redire quelque chose pour que certains fans comprennent, histoire de faire taire des rumeurs. Avec le pré-téléchargement qui est disponible, non, on ne peut pas dataminer quoi que ce soit. C'est strictement impossible. Voilà. Il y a peut-être des leaks qui circulent, on va pas en parler ce soir, mais ces leaks ne peuvent en aucun cas provenir du pré-téléchargement. Ça, vous êtes d'accord là-dessus? Non, clairement pas. Ça va être quelqu'un qui a le jeu en avance. C'est pas autre chose. Tu peux pas hacker le pré-loading, en fait. Impossible. En plus, ouais, en plus les leaks actuels sont photographiés, en fait. Donc c'est déjà... C'est sûr que c'est pas d'un format digital. Ouais, effectivement. Donc qu'est-ce qui se passe avec le pré-téléchargement? Donc si vous précommandez si vous pré-achetez en fait le jeu sur l'eShop, dans la limite des stocks disponibles, il est possible que ça soit déjà plus dispo maintenant, je ne sais pas, vous pouvez obtenir de manière gratuite des steelbooks qui vont être envoyés chez vous. Alors je ne sais pas si c'est dans le monde entier, si c'est disponible pour tout le monde. Mais voilà, des steelbooks à l'effigie du jeu vont être possibles si vous pré-achetez le jeu en version dématérialisée. Alors du coup, ouais, c'est un petit peu en contradiction, faut l'avouer, c'est étonnant comme façon de faire. J'avoue que je comprends pas trop l'intérêt d'acheter le jeu en démat et d'avoir quand même un steelbook que tu vas exposer chez toi. Je me dis, bah autant acheter le jeu en boîte, en fait, c'est quoi l'intérêt, quoi. Surtout que ces steelbooks sont absolument pas du tout exclusifs, en fait. En magasin, t'auras des éditions avec les steelbooks, donc... Bah, quel est l'intérêt, quoi. Bah, si tu veux les prendre en démat, t'as un steelbook gratos. Voilà. Oui, voilà, de toute façon. Je crois pas qu'il y a plus que chose à chercher, quoi. Des steelbooks en RAM. Ouais, c'est ça, c'est pas bien grave, on est d'accord, c'est juste que, bon... Ouais, c'est un peu étonnant, quoi. Gratuit, c'est gratuit. Enfin, bon. Oui, voilà, c'est ça, on peut toujours prendre. Donc, bon, on va s'arrêter là pour la page Pokémon, hein, pour le point Pokémon. Il y aura de toute façon encore des choses à redire dans les semaines et les semaines à revenir, hein. Au moins cette semaine, on s'est pas énervé. C'est quand même un point incroyable. Dommage, alors que je suis là pour une fois. C'est vrai. T'aurais dû être là, mais hey, que penses-tu? Non. On va pas parler du multi XP. Non, je refuse. Bon, on va passer à l'autre point. Évidemment, fric égale pognon. Pognon égale fric. Que s'est-il passé cette semaine? Il y a eu la traditionnelle réunion des investisseurs avec la publication des résultats trimestriels de Nintendo. Donc, pour le trimestre qui allait du 1er juillet au 30 septembre 2019, on a eu des tas de petites choses intéressantes. Bah déjà, le premier point, c'est que le nombre de Switch a franchi donc les 40 millions d'unités au total. Alors, Otaxan qui demande alors Pokémon plus ou moins que Death Stranding. Alors déjà, moi Death Stranding, je maîtrise absolument pas du tout le sujet, donc je peux pas dire. il a dit quoi? J'ai pas entendu. Il demande juste alors Pokémon plus ou moins que Death Stranding. Oh, plus. En note. Ah, en métacritique, tu veux dire? Ah, mais je pense qu'il dit métacritique, je pense. C'est ce qu'il veut dire. Bah, Metacritic, c'est 84 pour Death Stranding. C'est ça. Mais il aura plus Pokémon. Je pense qu'il aura plus. Ça, mais... Ouais. Alors, c'est vrai, moi, j'avais prédit... comme tous les jeux Switch. Moi, je dis moi. Moi j'avais prédit 82, donc... Mais ouais, c'est la note de Let's Go, hein. Faut pas oublier ça. Il a 60. il aura pas moins que Let's Go, c'est sûr et certain. 60, oui, 60 pour cette grosse merde. Voilà. Ah, moi, j'ai dit à 87. Non, il aura 86-87, je crois. Il aura 87. Il aura 87 comme tous les jeux. C'est ça, tous les jeux Switch depuis le début de l'année, c'est 86-88, c'est une toute petite fenêtre. Ouais, c'est vrai, Astral Chain c'était ça aussi. Donc la Switch au total a franchi la barre des 40 millions, elle arrive à 41,67 millions d'unités. Bravo.
Et donc bah, sur ce trimestre là il s'est passé des tas de choses. Bah, forcément Nintendo, ils ont gagné plein de pognon. Un chiffre d'affaires de 2,24 milliards d'euros. Donc c'est en hausse de 23% par rapport à la même période l'an dernier. Et un bénéfice net de 374 millions d'euros en hausse de 34%. Bravo. Et c'est donc évidemment le nombre de Switch vendus surtout qui est super intéressant parce qu'il y en a eu énormément. Il y a eu 4,8 millions de consoles écoulées sur ce trimestre-là de juillet à septembre contre 3,19 sur le même trimestre de l'année dernière. Donc comprenez quand même un petit peu le changement. C'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qu'on peut dire donc bah, à l'année quand même, à l'année sur l'année civile déjà, on voit que la Switch se vend déjà vachement plus que l'an dernier. Alors le chiffre de la Xbox au Taxan, officiellement on les connaît pas. Microsoft ne communique plus les chiffres de la Xbox One depuis quelques temps. Ce qui n'est pas bon signe, hein, généralement. Hein. Voilà, c'est ça. Ça peut certainement s'estimer, je sais pas, c'est peut-être à 50 millions, un truc comme ça. Mais bon, la Switch, à mon avis, doit plus être très très loin. La PS4, on le sait, est à 102 millions. Donc bon, elle, d'ailleurs, elle devient la deuxième console de salon la mieux vendue de tous les temps. Elle a dépassé le total de la PS1 et de la Wii. C'est quand même un sacré score. Et c'est pas fini, hein, elle va certainement arriver à 110 voire 115 millions, hein, je pense. Hein, c'est pas fini, quoi. Donc ouais, la première année civile, j'entends, la Switch, c'était 7 millions et demi et quelques, hein, c'était quelque chose comme ça. En 2018, c'était 8 millions, donc jusqu'au mois de septembre, j'entends, hein, pour les 9 premiers mois. Et donc là, on est déjà à plus de 9 millions, hein, on est déjà à 9 millions et quelques. Donc c'est assez énorme, on est à combien, on est à 9,4 millions. Ceux qui va vendre Noël, ça va encore monter. C'est ça, ouais. C'est exactement, effectivement, bah, Noël, ça va arriver. Genre, on se rappelle avec Smash Bros et tout, genre, je crois que j'ai jamais vu, genre, ça a pété un câble les ventes, hein. Pendant deux mois, t'as Smash Bros, il fait 12 millions. Ouais, vu que c'était le seul jeu de l'année aussi. Alors, l'an dernier, là, le dernier trimestre, donc, le trimestre de Noël, l'an dernier, c'était 9 millions de Switch, je m'en rappelle. Là, si on fait au moins pareil, bah, ça va faire une très très bonne année. On rappelle que l'objectif de Nintendo dans l'année fiscale, c'est de vendre 18 millions de consoles. Peut-être moyen qu'ils fassent plus quand même. Ils vont faire plus. Je pense qu'ils vont faire plus. Et donc, bah, effectivement, bah, comment peut-on expliquer ça? Bah, déjà, il y a plein de jeux qui sont sortis dernièrement. Il y en a encore quelques-uns qui sortent sur ce trimestre-là. Luigi's Mansion 3, Pokémon, évidemment, Ring Fit Adventure également, Mario et Sonic et d'autres jeux comme ça. Et surtout, c'est la Switch Lite qui est sortie le 20 septembre dernier. Et donc, dans les 10 jours qui ont été comptés, on a déjà 1,95 million de Switch Lite qui ont été vendus, ce qui fait quand même beaucoup. Et on a déjà un petit graphique, je vous le montre ici, qui montre donc l'importance des ventes de la Switch Lite par rapport à la Switch classique. On voit que la première semaine de commercialisation, évidemment, la Switch Lite, ouais, ouais, monde, donc, faisait bien plus. Non, en fait, je l'ai vu chez lui, mais c'est bien, c'est bien dans la réunion des investisseurs. D'accord, ouais, ils disaient que c'était intéressant parce que ils montraient que la Switch Lite avait créé une demande de Switch normale en fait en même temps, parce que du coup, genre, c'était, ouais. En gros, ça veut relancer la hype Switch, mais en général, en fait, la sortie de Switch Lite. Ouais, ouais, bah effectivement, on voit que ça crée quand même une certaine dynamique derrière, donc la Switch classique continuait à fortement se vendre. On voit que sur les semaines suivantes, sur octobre, la Switch classique se vend quand même mieux que la Switch Lite pour le moment. Alors là, forcément, la vraie question qu'on va se poser pour les semaines à venir, avec la sortie de Pokémon, Noël, hein. Avec les achats de Noël qui vont concerner forcément les enfants... La véritable question, ça va être, est-ce que laquelle des deux va le mieux se vendre dans les semaines à venir, et sous quelle proportion? Ouais, alors, c'est ça. On a d'autres infos qui sont très intéressantes, qui sont sorties de là. On sait que parmi les acheteurs de la Switch Lite, 57% de ces acheteurs
c'est leur première Switch, ils n'étaient pas encore équipés, et donc 43% avaient déjà une Switch. Donc ça veut dire, c'est quand même quasiment moite-moite, donc ça veut dire que le public qui achète Switch Lite, ça peut autant être un tout nouveau public qui souhaite s'équiper, que une famille qui souhaite acheter une seconde console pour son gosse ou quoi, tu vois. Donc ça peut être vraiment pour des tas de raisons, et on voit aussi que forcément une grande partie de ceux qui ont pris une Switch Lite, c'était déjà des joueurs 3DS auparavant. Et d'ailleurs, Furukawa nous dit quand même quelque chose de plutôt intéressant, qui devrait fortement nous intriguer hein, en tant que joueur. Nintendo souhaite sortir plus de licences qui étaient rattachées à la 3DS sur Switch. Donc qu'est-ce qu'on peut entendre par là? Certainement les Mario et Luigi, c'est vrai que j'aimerais quand même les retrouver. Les Professeur Layton, sans doute les Brevik Default du coup. Vous pensez ça à quelle Nintendo, ça, c'est pas Super Nintendo ça du coup. C'est oui, enfin, vraiment une licence Nintendo, je pense. Ah ouais. Putain, Brevik Default, c'est Super Nintendo sur le coup. Donc, c'est vrai. Kid Icarus Surprising, Kid Icarus Surprising, Kid Icarus Surprising. Kid Icarus Surprising, ce serait le pour les gauchers enfin. Mais moi, je pense surtout à des licences comme WarioWare. Oui, c'est vrai. Mais surtout Rhythm Paradise, qu'on a pu revu depuis un petit moment. Ouais. Je pense qu'il marcherait parfaitement avec la Switch Lite et la Switch tout court. Je pense que l'une des licences qu'il avait en tête, c'était Rhythm Paradise. Et Rhythm Paradise qui marcherait parfaitement avec les Joy-Con qui se déconnectent tout le temps. Oui, à ça. T'as besoin que d'un bouton. Tu trouves un bouton qui marche. Tu trouves un bouton, je sais c'est pas. C'est ça, je pourrais mettre GameCube, c'était bon. C'est bon, c'est Moi je verrais bien des RPG qui s'étaient pas beaucoup vendus sur 3DS revenir sur Switch. Oh, de toute façon, je suis convaincu. Genre Ever Oasis. C'est vrai que Grezzo pourrait tenter un nouveau truc, hein, du coup. Mais ouais, effectivement, bah, la Switch, ça, c'est clairement une console idéale pour les JRPG. Hein. Sinon, Jumpman pose une question. Il dit qu'il va se poser la question du décompte des ventes. Est-ce qu'il faut cumuler avec la Lite ou pas? Bah oui, clairement, pour moi, oui. Mais ce qu'il explique, c'est que si on compare les ventes de la Switch avec d'autres consoles Nintendo, bah elle finira peut-être au-dessus des consoles de salon, forcément. La plupart des consoles de salon. Mais bon, oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on combine salon plus portable, donc ouais, c'est compliqué. Il faut les combiner. C'est la même console, quoi, donc... Forcément, est-ce qu'il faut... Enfin, pour moi, la Switch Lite et la Switch classique, évidemment qu'il faut compter les deux en même temps. Enfin, je veux dire, c'est la même console, hein. Mais par contre, c'est vrai que pour déterminer réellement le gros succès, le véritable succès de la Switch, est-ce qu'il va falloir comparer aux consoles de salon? Ou est-ce qu'il va falloir comparer aux consoles portables? C'est là que la question se posera. Bah, tu peux pas, parce que chaque personne va acheter pour une raison différente. Il y a certains qui vont l'acheter pour les salons, d'autres pour les jouer en hybride, d'autres pour full portable. Je sais pas. De toute façon, c'est le but de la console, quoi, et c'est craqué. Hein. Il y a même des gens, genre, ils se sont dit, je prendrais bien une Switch Lite, mais en vérité, je veux aussi jouer avec mes amis, donc je prends une Switch normale, tu vois. Donc, c'est beaucoup trop. Sûr. Je peux pas, en fait, tu peux pas savoir. C'est intéressant, justement, cette semaine, on a eu. On a eu une nouvelle membre sur Génération Nintendo qui s'est inscrite, Lise donc, on la salue si jamais, qui nous a expliqué qu'elle n'a pas encore de Switch, mais elle va s'acheter une Switch Lite, et en fait là elle a un budget de 300 balles, et donc elle pourrait très bien s'acheter une Switch classique, et elle explique que si elle achète une Switch Lite, en gros elle peut acheter deux jeux en plus quoi. En fait, c'est pas en salon, c'est pas réfléchi. Elle nous dit comme quoi elle a pas trop l'habitude des consoles de salon, et en fait c'est surtout une grosse joueuse de jeux DS et 3DS qui dose surtout tous les RPG, les Brevik Default et compagnie. Clairement, donc, c'est pas réfléchi. En plus c'est une meilleure console portable en fait que la Switch de base. C'est tout bénef. Je sais pas, je serais pas totalement d'accord parce que... Avec la nouvelle version de la Switch, l'autonomie, c'est 5h30, moi, c'est hein, la Switch classique c'est maintenant. C'est les Joy-Con. Hein. Donc... C'est plein de trucs en fait. Genre, elle est plus petite, elle est un peu plus bulky, donc t'as moins de crampes. T'as les meilleures gâchettes. Enfin, genre, si t'as uniquement une CSG portable, moi je pense que ça vaut quand même plus le coup d'acheter une Switch Lite. Hein. Genre, en dehors du prix en fait. Juste la console en elle-même. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie croix. Ça, par contre, c'est un argument. C'est un argument, parce que le D-pad, putain, sur Mario Maker, ça fait mal au pouce. Les Joy-Con, ils pourront pas se déconnecter. Mais maintenant, tu peux faire du tactile. Enfin, tu pouvais faire du tactile, déjà.
Comment ça sur, je crois qu'ils avaient rajouté, un truc en mode Portal dans un des patchs, mais j'ai oublié. Quoi, sur Mario Maker, tu veux dire? Ouais, il y avait un truc dans le, qui, dans le patch, ouais, je crois que tu peux jouer avec les boutons en portable. Mario Run. Ah bon? Ah, je sais pas. Je crois, je suis pas au courant. On vérifiera. Bon, sinon, bah, surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, bien sûr, la Switch s'est très bien vendue, mais c'est surtout les jeux qui se sont incroyablement vendus. Là, voilà, je vous diffuse un autre graphique. J'espère que vous voyez bien les chiffres. C'est un peu petit, mais en principe, putain, calme-toi bien, s'il te plaît. En principe, ça devrait être visible, je l'espère, sur le live. Donc, pour discuter des ventes de jeux, il y a eu, bien sûr, énormément de jeux qui se sont vendus. 35,88 millions de jeux écoulés durant ce trimestre. Il y a eu la sortie récente de Mario Maker 2, de Fire Emblem Three Houses, de Zelda Link's Awakening, et bien d'autres encore. Et donc, le top 10 des jeux, on va le dévoiler. Donc, le premier jeu, le jeu le plus vendu sur la Switch, c'est Mario Kart 8 Deluxe. All time All time, sur le graphique, ouais. On va également détailler les ventes du trimestre, bien sûr. Donc, 19 millions de Mario Kart 8 Deluxe, on a dépassé le score de Mario Kart 7. Donc, Mario Kart 8 Deluxe devient désormais le troisième jeu Mario Kart le plus vendu. La version DS est à 23 millions. Donc, de 19 à 23 millions... C'est pour ça que tu nous as guacqué tout à l'heure sur Framboire quand t'as dit mon 3ème et le 7ème. On se dit putain, c'est Mario Kart 7, et il arrive au 3ème, c'est les gens. Ah ouais, tu penses à ça, c'est ça. Putain, t'es allé encore plus loin que moi dans le main game. Bah ouais, mais dans les news à la con, j'allais pas dire un truc qu'on va. Qu'on ouais, va non, dire, ça semblait bizarre, mais. Dans le développement principal. Que tu parlais vente. C'est vrai. Ah, je sais, j'étais un petit filou hein, sur ce niveau-là. Donc, Mario Kart 8 Deluxe, ce qui est surtout très impressionnant, c'est de voir que sur ce trimestre de cet été, il s'est vendu à 1,12 million, encore plus d'un million. Ce jeu, c'est incroyable comme il se vend. Ouais, c'est une machine, il va dépasser Mario Kart 8, c'est n'importe quoi. Mario Kart 8, c'est quand même... Il y a quand même de la marge encore. Hein. Ouais, il y a une grosse marge. Il y a de la marge. On peut se dire que c'est 20 millions sur 40 millions de Switch. Alors que Mario Kart, c'est genre quoi, 35 millions, 40 millions sur c'est vrai. 100 millions de Wii. Après, attention, faut pas oublier que le public Wii, c'était pas le même, et puis surtout, il y avait beaucoup de piratage sur Wii. Oui, mais c'est pour ça, mais ce que je veux dire que sur Switch, genre, si ça continue le ratio et qu'à la fin, il y a 100 millions de Switch, il y aura 50 millions de Mario Kart. Ouais, mais... Ouais, à voir. Pour atteindre les 70 000, faut quand même qu'il y ait 120. Faut que la Switch fasse mieux que la PS2, quoi. Donc, c'est compliqué, quand même. De quoi hein Non, c'est quoi le ratio? Le ratio, c'est un joueur sur deux à un Mario Kart, c'est ça? Ouais, bah, c'est ouais, 45% le ratio. Il a combien Mario Kart Wii? Je dirais 40 millions. Mario Kart Wii, il a 37 millions. C'est... Ah, d'accord. Ouais, c'est plus de 100 millions. C'est un tiers. C'est un peu plus d'un tiers. C'est pour ça que je dis que Mario Kart 8, il a moyen d'être le plus vendu au final. Et si on fait le chien et qu'on cumule la Wii U là, par contre, c'était 8 millions hein. C'était 8 millions, ouais, mais c'était plus la moitié. Hein. On avance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va se vendre continuellement et qu'ils vont jamais sortir Mario Kart 9. C'est que Mario Kart 9, on est ah, c'est compliqué. Il n'aura pas Ça me fait chier aussi, je suis comme Spy, mais... J'ai pas envie de racheter. Mais en vrai, comment tu vois, comment ils se vont. Et surtout, je vous le dis, je pense dans un ou deux ans, comme habituellement, Nintendo, ils vont balancer une gamme Nintendo Select. Tu vas voir que Mario Kart, il va être dedans, paf, d'un coup, les ventes, elles vont redécoller, et c'est bon, il va jamais arrêter de se vendre. Hein. T'imagines Mario Kart 8 en Nintendo Select, c'est bon. Mais même sur la Switch 2, t'auras Mario Kart 8 Super Deluxe. Ils sont trop chers, ils sont trop chers, ils sont plus à rien, ils ne faut plus jamais. Ça va être le nouveau Street Fighter 2. Non, mais c'est ça. Le nouveau Street Fighter 2. S'il y a des nouvelles courses, ça me dérange pas. Ils vont pas racheter de nouvelles courses, ils vont racheter comme nouveau perso, genre Guichi. Ah ouais, un perso incroyable. Guichi Kimono. Ils vont bas les couilles de leur Mario Kart Tour. On a déjà désinstallé le jeu là, je m'en fous. Ils arrêteront jamais, ils vont racheter le Roi Bout. Non, mais du coup, est-ce que Mario Kart Tour est considéré comme le 9 ou pas? Non, vous avez pas le droit de dire ça. Non, Jumpman il le dit sur le chat aussi. Est-ce que Mario Kart 10 c'est Mario Kart 10 ou Mario Kart 9? En vrai, bonne question parce que techniquement il n'y a pas de spin-off Mario Kart. Donc c'est souvent portable, c'est portable, salon, portable, salon. Et là, c'est salon, portable. En fait, la vérité.
Jumpman est la raison. Mario Kart 8. Le 9, c'est Mario Kart Tour. Oui, c'est ça. Mario Kart 8. En fait, le véritable 9, c'est Mario Kart 8 Deluxe. Mais ouais, non, du coup, le 10, c'est Tour. Et du coup, le 11, c'est Mario Kart 9. Mais non, c'est Crash. Ça va faire une prochaine énigme de Perforas. Le 15, c'est Crash Nitro Fuel. Mais attendez, est-ce qu'on compte les Mario Kart Arcade? Mais non, ah oui, l'arcade GP. Là, il y a le film de Mario Kart. Arcade GP. Il y a le truc en VR, là. Il y avait pas un truc en VR? Si, si, il y a une expérience VR à Shinjuku. Mais je crois que c'est Mario Kart Arcade aussi, je crois que c'est la même. Dans ce cas-là, l'arcade Luigi's Mansion, c'est le 3ème, du coup, Jim's Mansion 3, c'est le 4ème, en fait. Ah, bon, ah, bah, ouais, effectivement, là, du coup, j'attends Luigi's Mansion V. Bon, les autres jeux, bien sûr, il y a eu d'autres jeux qui se sont vendus. Super Smash Bros. Ultimate devient le deuxième plus gros succès de la Switch, c'était, à n'en point douter, 15,7 millions d'unités. Il s'est vendu durant ce trimestre à 980 000 unités. Forcément, il a continué à beaucoup se vendre parce que ça reste un jeu assez récent encore. Et puis, il y a beaucoup d'actualités autour du jeu. Il est soutenu avec les DLC. On en parle tout le temps, donc c'est normal qu'il soit toujours là. Et il va continuer à se vendre dans les trimestres suivants, c'est certain. Ensuite, Mario Odyssey est 3ème avec 15,38 millions. Smash Bros, oui, bien sûr, bah, c'était déjà le cas avant. Alors, je crois que si, ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est si on accumule la version Wii U et 3DS, du coup, il le dépasse désormais. Hein, Ultimate, ouais. Hein, il le dépasse. Mario Odyssey, bon, c'est aussi le Mario 3D le plus vendu depuis un certain temps déjà. On avait déjà dépassé 64, Mario le numéro 1, mais il va le dépasser, je pense, au bout d'un moment. Ça prend du temps, mais il va le dépasser. Non, je crois. Mario 64. Je crois qu'il avait déjà dépassé Mario 64. Mario 64, c'est pas 20 millions. Ah non, 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 pas du tout. Galaxy. Je crois pas que c'est le moindre jeu Nintendo 64 qui s'est vendu autant. Hein. Je sais pas, Mario. Ouais. Le truc, je suis Mario 64, genre, c'est que tout le monde l'avait, quoi. C'était le jeu de. Ouais, mais du coup, il y avait pas beaucoup de gens qui avaient 64. Ouais, c'est ça. Non, du coup, je suis ouvert par rapport au monde de 64, quoi. Tu sais qu'il y a eu 32 millions de 64, attends, je suis en 64. Du coup, 20 millions, alors c'est impossible. Mario Odyssey, donc, qui s'est vendu à 440 000 unités. Zelda Breath of the Wild, qui s'est vendu vachement plus que Mario Odyssey ce coup-ci. On voit que Breath of the Wild remonte de plus en plus. Et un jour, peut-être que Breath of the Wild va dépasser Mario Odyssey. Hein, c'est les paris qu'on se fait avec pas mal de gens. Breath of the Wild, sur ce trimestre, il s'est vendu à 930 000 unités. À votre avis, pourquoi Breath of the Wild arrive à se vendre encore mieux que Mario Odyssey? Alors qu'en général, le Mario 3D se vend toujours plus. Mais là, bon, j'ai quelques explications sur ça. Déjà, c'est la réputation du jeu qui est hors norme. Ouais, c'est la réputation. Ouais. Depuis Ocarina of Time, on n'a jamais eu une réputation aussi dingue. Peut-être l'annonce du 2 aussi. Ah oui, c'est possible. Je pense totalement que depuis l'E3, ça a dû rajouter une actualité. Forcément, ça fait reparler du jeu. Donc, mais voilà, je veux dire, Breath of the Wild, il a bénéficié, bien sûr, d'une campagne incroyable et d'un succès critique de ouf, mais aussi d'énormément de bouche à oreille. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, quand t'as un ami qui veut acheter la Switch, tu sais qu'il est un peu gamer, qu'est-ce que tu lui dis? Tu veux lui dire en priorité, mec, fais Breath of the Wild, ou meuf, fais Breath of the Wild, c'est un jeu à faire. Et ça, tout le monde le dit, et forcément, ça fait partie du succès, je pense. Voilà. Et ouais, bah ouais, 97 Metacritic, forcément, ça a un impact, mine de rien, ça a un impact aujourd'hui à l'heure d'Internet, ça a forcément un impact. Quoi. Donc on est à 14,5 millions pour Breath of the Wild, qui est très largement aujourd'hui le jeu Zelda le plus vendu, tout confondu. Tu vois, autant Mario Odyssey, on est loin des Mario 2D, de Mario Bros 1 et des Super Mario machin. Non, mais ça, c'est voté comme ça. Ouais. Mais autant Breath of the Wild, il explose absolument tout le monde, il explose. Que tu cumules la version GameCube de Twilight Princess, que tu cumules Ocarina 3D avec Ocarina 64, on s'en fout. Breath of the Wild, il explose tout. Et Breath of the Wild, même si tu cumules la version Wii U et Switch de Breath of the Wild, il dépasse le double de Ocarina of Time. Ouais. Alors ça vous met sous le cul, je pense. Hein. Du coup, il bat aussi Ocarina of Time plus au remaster combiné, de toute façon, les mecs 3DS. Oui, oui, non, mais c'est ça, oui, je l'ai dit, oui. Ah ouais, c'est assez maboule. Enfin ouais, c'est ouf, quoi. C'est ouf, quoi, on sait ça. Hein. Et moi, mon explication, c'est que je pense que les gens sont hypés pour la suite. Dans ça, le 3, du coup, il y a plus de gens qui l'ont acheté.
ça participe. Hein. Bah, après, dans les 2-3 derniers trimestres, on voyait déjà que Breath of the Wild faisait un petit peu plus que Mario Odyssey. Genre, il faisait 100 000 de plus. Mais là, tu vois qu'il fait le double, quoi. Il fait le double sur le trimestre. C'est quand même dingue. 930 000 Breath of the Wild sur ce trimestre. 440 000 pour Mario Odyssey. Pourtant, Mario Odyssey, putain, il est loin d'être mauvais, quoi. C'est une tuerie aussi. Hein. Je le défends totalement. Mario Odyssey, j'adore le jeu. Alors, forcément, Mario Odyssey, le jour où ils vont annoncer le 2, ça va redécoller aussi, bien sûr, mais bon. Ensuite, la cinquième place du classement, c'est Pokémon Let's Go, Evoli et Pikachu, qui a 11,2 millions. Et là, je dirais que c'est un peu une contre-performance, j'ai l'impression, enfin, qui se vérifiait déjà dans les précédents trimestres. Autant le premier trimestre en était à 10 millions, il y avait un démarrage très fort, et autant là, il a fait que 300 000 sur ce dernier trimestre. J'ai l'impression que Pokémon Let's Go, il se vend pas trop sur la durée, pas tant que ça. Il s'est quand même bien vendu, c'est le remake le plus vendu de tous. Let's Go ? Ouais. Mieux que Earth, Gold, Soul Silver ou Rouge Feu ? Yes. En gros, ouais. C'est 12,72 millions. Mais genre aligné, genre quand tu compares la progression. Genre si tu mets leur launch, tu dis pas en fait, ils se vendent plus vite. Parce qu'il a pas fini ce vendre. Ouais. Après, je pense... Après, je pense que bon, le public, il attend forcément la 8e génération. Donc, voilà, de toute façon, ça va être la 8e génération qui va se vendre le plus, et c'est normal, ça va être un jeu. Et ils se vendent très très bien, Let's Go. Sur Gamecube, il va faire les 20 millions dans le plus grand des cas. Je pense aussi, hein, je pense que ça va être le même. La barrière, c'est pas pensé. Ah ouais. Sur Gamecube, il va enlever quelqu'un du top 3. Ouais, c'est sûr. Ouais, moyen. Ouais, on verra. Il va faire Mario Odyssey. Attends, j'en prends ma place. Ah ouais, en vrai. Non mais en pratique, Mario Kart, Astral Lion me dit que Rosa c'était Ruby Omega, donc c'était 14 millions. Oui, alors je réforme ce que je dis. Alors, c'est pas encore le plus vendu, mais en fait, il se vend beaucoup plus rapidement que les autres. C'est-à-dire qu'il a atteint les 11 millions plus rapidement que n'importe quel remake avant. Tu veux dire que les deuxième et troisième trimestres sont meilleurs que. C'est ça en fait, ils se vendent le launch et tout. C'est-à-dire qu'a priori, dans 2-3 ans, il aura dépassé les autres. C'est juste que, je crois qu'il va se vendre bien à Noël, parce que les gens, leurs gamins, ils vont faire « Mamie, je veux Pokémon !» Et vos Pokémon, elle va chercher elle va prendre « Let's go » au lieu d'épée. Major qui me dit qu'il a jamais vu un Pokémon, d'ailleurs, si peu cher, il est soldé quand même. Bah non. Allez, let's go. Si tu l'as vu moins cher, c'est que c'est des offres de magasins. Ouais, ça veut rien dire, c'est pas Nintendo qui baisse le prix. Hein. Ouais, officiellement, il baisse. Il baisse rarement les prix, Nintendo. Oui, voilà. Ça m'étonne, c'est un Pokémon. Faut attendre les Switch Select. Hein, mais oui, du coup, pour revenir sur Épée et Bouclier, en fait, toutes les licences Nintendo sur la Switch connaissent un boost énorme de vente par rapport aux précédents. Les Pokémon, ça va juste être le prochain. Quoi. Enfin, le Mario, c'est le Mario le plus vendu. Le Zelda, c'est le Zelda le plus vendu. Le Zelda 2D, ça va être le Zelda 2D le plus vendu. Et ainsi de suite. Et alors, ouais. Pokémon, ça va être le Pokémon le plus vendu parce que c'est impossible de dépasser Rouge et Bleu. Oui, c'est impossible. C'était 30 millions, quoi. C'était 40 millions même, donc c'est impossible. Ah ouais. Mais je pense que ça va revenir à un niveau beaucoup plus élevé depuis la 3ème gen. Donc je pense au-dessus de Game Road, c'est ça. Bah, si ça dépasse les 20 millions. Ouais, parce que XY et Soleil Lune, ils sont à 16 millions et quelques, je crois. 16-17, Ouais, voilà. Diamant Père, à peu près pareil, je crois. Tous, genre, c'est pas surtout à 16-17. Si un Pokémon refait plus de 20 millions, c'est vrai que ça serait fort quand même. Mais c'est vrai qu'avec la hype de la Switch, on sait pas trop ce qui peut se passer. On verra de toute façon dans les semaines à venir, bien sûr. Notamment les lancements. Les lancements japonais sont particulièrement intéressants à voir, bien sûr. Même si il y a une part de démat qui est de plus en plus forte, donc c'est plus difficile à mesurer quand t'as que les chiffres physiques. Enfin bon. Ensuite, Splatoon 2 atteint 9,28 millions d'unités. Il a fait 260 000 dans le dernier trimestre. Forcément, Splatoon 2, il a un peu ralenti par rapport à ses débuts parce que il y a plus de mise à jour, quoi. Mais bon, il continue. C'est pas une aussi grosse licence que les autres, quoi. C'est déjà beau gosse, c'est adorable. Ah, mais il atteindra les 10 millions. Bien sûr, bien sûr. C'est franchement, que plus on avance sur la console Nintendo, le Splatoon 5, il fera 20 millions. Il fera le 8, il fera 30 millions, après t'auras un Wii. Ah, c'est pas tout de 8 de luxe, c'est tout. Ce que je veux dire, ça sous-entend où Splatoon, il sera aussi grand que Mario Kart, je pense. Ou peut-être pas aussi grand, mais il sera dans les grands, genre. Ça sous-entend par contre que
ça sous-entend que Splatoon 8 va sortir sur une console qui va bider. Oh merde! La Switch U, bien sûr. Enfin, c'est vrai que c'est Nintendo, c'est soit ça bide, soit ils sont trop forts, ils aiment trop ça. ils aiment pas les succès modestes. En fait, ils chargent leur énergie en bidant, et ensuite ils sortent une autre console, ils balancent tout d'un coup pour qu'elle marche bien. Autre jeu qui lui me surprend vraiment de ouf pour ses ventes, c'est Super Mario Party qui atteint 7,59 millions. Ce trimestre-là, il s'est vendu à 600 000. Donc c'est mieux que Mario Odyssey. Beau gosse, Mario Party, Henri, il est bien. Ouais, non mais Mario Party, on pensait pas qu'il allait bien. C'est de l'exemple que comme quoi, tu peux foutre n'importe quoi sur des consoles, tout se vend. Déjà le jeu est bien, et surtout Mario Party, ça sonne comme Mario Kart. Les familles, t'as c'est une Switch, direct, les premiers trucs qu'ils pensent, c'est Mario Party, Mario Kart, parce que ça sent que c'est les jeux auxquels ils pourront jouer. C'est multi en fait, ouais. Parce que les parents et les enfants, ils se lavent, ils prennent des douches, ils vont pas prendre Smash, ils s'en battent les couilles. Est-ce qu'on dit Super Mario Party 2 en fin 2020? Ouais, c'est possible, en vrai, ils aiment jamais. Ouais, il y a tout à fait moyen. Super Mario Party Deluxe. avec le personnage de Malcrossing. Selon Jobman, ça pourrait marcher, la Switch Lite, on aura la Switchy, la Switchy XL, la 3 Switch, la 3 Switch XL, la New Switch et la 2 Switch. Ah, bien sûr. attends, Mario Maker 2, on en parle après. Déjà, Spy a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit que tu colles Mario sur la jaquette Switch et ça y est, ça se vend alors que c'est n'importe quoi. C'est le cas de New Super Mario Bros. U Deluxe qui est quand même à 4,59 millions. Il y en a encore 490 000 qui sont vendus. C'est-à-dire que sur ce trimestre, il y a plus de gens qui ont acheté New Super Mario Bros. U plutôt que Mario Odyssey. Et ça rend ouf. Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est que quand même ça pète pas autant que d'habitude, monsieur New Super Mario Bros. Moi, je suis content. En fait, on pouvait s'attendre à l'effet Mario Kart en mode genre ça plaît de l'évent que New Super Mario Bros. Genre c'est Mario Kart tier, genre ça explose. Je crois que c'est surtout au Japon ça se vend les Mario 2D. Hein. Pour une fois, ça se prend son temps. Je pense que Mario Maker est vite venu taper dans le genou. Je sais pas si on a des chiffres précis pour le Deluxe, mais je pense que c'est surtout le Japon, parce que les Japonais ils kiffent trop les Mario 2D, mais je pense qu'en France. Après, les chiffres plus précis. Ouais, je sais pas. Parce qu'il me semble que surtout les Japonais, mais contrario, ils achètent moins les Mario 3D du coup. Ah ouais, personne n'achète des Mario 3D. Je connais pas, non. mais à côté, je pense que Mario Maker 2 aussi a dû amputer directement le jeu. La vérité, c'est que genre Mario Galaxy, il a fait à peine 8 millions, 10 millions, et New Super Mario Bros. Wii, il en fait 30 millions. C'est ça. C'est toujours été comme ça. Je pense que Mario Maker 2 a pas dû aider, je pense. Pour ça. On va en parler, Mario Maker 2, donc, qui a 3,9 millions. Il était sorti le 28 juin, on rappelle. Du 1er juillet au 30 septembre, il a fait 1,51 million, donc c'est quand même pas mal. Et je trouve que c'est pas si énorme que ça non plus, justement. Il a fait combien le premier? Pour comparer. Le premier, au total, il avait dû faire 4 ou 5 millions, je crois, sur Wii U. Mais à la Wii U, il y avait que ça à manger, donc faites bien comprendre. Après, c'est vrai qu'il y avait trois jeux qui sont sortis dernièrement. Non, et c'est vrai qu'il y avait moins de jeux. Mario, un jeu où tu crées tes niveaux, ça reste quand même un truc assez conceptuel et pas forcément grand public. Peut-être que ça parle pas assez au monde. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de ça, qui se disent ah moi j'ai pas envie d'acheter ce Mario là parce que je sais pas faire des niveaux. En même temps, ils ont raison d'avoir peur. Compte. Vu les merdes qu'il y a. Il y a un truc que j'ai envie de dire. Même sans le online, je vous le dis clairement, ce jeu il est plus intéressant que New Super Mario Bros. U Deluxe parce que déjà t'as 100 niveaux qui sont originaux, qui sont intéressants, qui présentent de nouvelles choses. Ils savent pas ça. Ils voient les jaquettes en magasin, ils savent pas qu'il y en a un qui pue et l'autre il est bien. ça va être le mot Deluxe, hein, je pense qu'il fait vendre. Hein. Deluxe, les gens, c'est vrai. C'est un jeu de luxe.
Bah oui, et surtout les Wii U de luxe. Bah ils se disent que c'est la... Ils se disent que c'est un meilleur goût, comme au McDo, t'as le Deluxe. Ah bah voilà, on y revient, c'est un McDo. Ouais, est-ce que les New Super Mario Bros, c'est ça, est-ce que c'est un McDo? C'est le supplément, en fait le Deluxe c'est le supplément bacon. Ah, c'est le double steak, tu vois, c'est ce qu'on pense. Alors que Deluxe c'est un petit croque, le... Donc la vraie nouveauté. Alors c'est vrai que la lettre U, c'est vrai que la lettre U, elle fait un peu tâche. On est d'accord. C'est de septembre. Alors, après c'est mieux que s'il l'avait enlevé comme zombie. Oui, zombie. Ça faisait blédard de ouf. Jusqu'où ça aurait été un remake. Zombie. Donc la vraie nouveauté, la vraie grosse sortie de septembre en même temps que la Switch Lite, c'était Link's Awakening, le remake bien sûr, qui a démarré très fort avec 3,13 millions, donc il entre direct dans le top 10. Ça en fait donc déjà un jeu très très bien vendu. On rappelle que le trimestre de démarrage de A Link Between Worlds, c'était 2 millions, attendez, je recherche le chiffre, c'était 2,18 millions A Link Between Worlds. Donc là, on est à 1 million de plus. Et d'après les chiffres que je vois chez Oscar Lemaire, Link's Awakening sur Game Boy, donc l'original, c'était 3,83 millions. Donc là, ça veut dire que je pense qu'aujourd'hui, là, on est début novembre, ce total est déjà franchi. Hein, je pense que... Et c'est également, parmi tous les portages remaster, remake, etc. de Zelda, il n'y a que Ocarina of Time 3DS qui a fait mieux, avec 6,02 millions. Sinon, ça veut dire Majora's Mask 3D, oui, très certainement, on est d'accord. Ça veut dire que, ouais, Majora's Mask 3D, Wind Waker HD, bien sûr, les versions GBA, tout ça, ça fait moins, quoi. Ça fait moins. Donc, c'est un très très fort démarrage pour Link's Awakening, forcément, il arrive en même temps que la Switch Lite, donc il a été beaucoup marketé aussi, il faut dire ce qui est. Et il semble très bien parti pour faire un très très beau score à surveiller. Mais il est où Arms? Il est où Arms? Ah bah il est loin. D'ailleurs, One Two Switch est parti, il a enfin déguerpi. Ils sont trop heureux. Ouais, il doit être dans le top 15 pour One Two Switch. Et m'empêche, moi je vais juste faire un petit aparté là-dessus. Quand on regarde ce top 10, donc Mario Kart 8 Deluxe, Smash Bros Ultimate, Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Let's Go, Splatoon 2, Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe. Bon, allez. On notera qu'il y a 4 jeux qui commencent avec Super. Mario, oui, c'est vrai. Bon. Mario Maker 2. Ils ont trouvé la technique, ils ont trouvé l'astuce. Dans la Mario moitié Maker des jeux, il y a Super. Et Zelda Link's Awakening. Juste, regardez ça et comparez avec le top 10 des consoles précédentes, genre la Wii ou la DS. La Super Nintendo. Putain, ça fait plaisir, quoi. Ça fait depuis la GameCube qu'on n'a pas vu un top 10 aussi dingue à niveau qualité de jeu, moi, je trouve. Après, c'est déjà rien que le line-up de la Switch en lui-même. Surtout Let's Go est une super. Ouais, tu dis depuis la GameCube, Let's Go, ça reste meilleur que la dope de Colosseum. Hein, donc, Colosseum. Colosseum. Attention. Ah, je dis pas Colosseum. Il y a de la bagarre. Tu veux dire Colosseum. Non, mais tu vois pas la musique dans Colosseum. Ouais, mais la musique, c'est le truc du jeu, merci. Par contre, l'OST est top tier. La musique est bien. Ouais, mais dans Pokémon XD et Colosseum, t'as Boule Disco. Est-ce qu'il y a Boule Disco dans le meilleur perso. Ouais. Heureusement qu'elles sont tellement. Bon, 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 bon. Donc on a quand même un autre chiffre pour Fire Emblem Three Houses. Voilà, Fire Emblem Three Houses n'est pas dans le top 10, mais il a quand même fait des ventes assez balèzes. Donc sorti le 26 juillet, on rappelle, il démarre à 2,29 millions d'unités. C'est déjà le second plus gros succès de la licence. Awakening au total, c'était 2,28 millions. Et Fates, il cumule 2,94 millions. Donc autant dire que Fire Emblem Three Houses devrait le dépasser. Donc, Fates, lui, il avait trois jeux. Ouais, j'avoue. J'avoue, avec les gros nerds qui ont dû acheter les deux jeux. Hein. Imagine, il y a même des gros nerds par ici qui ont peut-être acheté la collector à 80 balles. Bah, ouais. Bon, en vrai, la collector était cool.
Mais enfin bon. donc voilà, des ventes de jeux absolument pharaonique, pharaoniques. Bah oui, bah, ça explique tout à fait les excellents résultats de la part de Nintendo. On va pouvoir passer au dernier sujet de la soirée. C'est Overwatch 2, c'est la BlizzCon. Et je vais laisser d'autres personnes en parler parce que là, ah oui, Minecraft 2, absolument rien. Je vais prendre la parole du coup. Vas-y. Du coup, il y a eu la conférence d'ouverture de la BlizzCon. On va pas revenir en détail sur les sujets, c'est pas des jeux de Nintendo directement, mais peut-être qu'un jour. du coup, ils ont commencé avec Diablo 4, parce qu'évidemment, ils avaient de quoi se faire pardonner par rapport à l'année dernière. Rappelez-vous, c'est l'année dernière qu'ils avaient annoncé Diablo Immortal, qui avait reçu un accueil mitigé. C'est un jeu mobile. Bref, du coup, ils se devaient se faire pardonner, donc évidemment, mais ils ont montré Diablo 4, et pour le coup, ils sont pas. C'est pas de la fraude, hein, c'est pas juste un petit trailer, enfin, c'est pas juste un petit. Genre, il y a un gros trailer des familles déjà, avec les studios d'animation de Blizzard qui savent toujours y faire. Et surtout, bah, on a vu du gameplay, on a vu des nouvelles classes et tout, enfin voilà, le jeu a l'air super, super joli, et il quitte le côté cartoon de Diablo 3 pour aller plus vers quelque chose de dark fantasy pur jeu. Sinon, bah, de l'autre côté, bah, Warcraft, évidemment, qui se met encore à jouer avec une nouvelle extension, Shadowlands, on ira dans le pays de ses morts, c'est le pays des morts dans Warcraft. Et du coup, eh bien, à côté, eh bien, Overwatch 2, oui, du coup, c'est le nom de cette extension d'Overwatch, on va dire, parce qu'en gros, du coup, en fait, Overwatch 1 et Overwatch 2 vont exister en même temps, c'est-à-dire que les deux jeux seront mis à jour en même temps, avec les nouveaux héros et nouvelles maps arrivant sur les deux jeux. Mais ce qui va être exclusif à Overwatch 2, c'est un nouveau mode PvE, où on vivra des histoires scénarisées, en solo ou entre amis, où du coup, on apprendra plus sur l'univers et l'histoire avancera, parce que bon, actuellement, le jeu, c'est un jeu compétitif en 6v6, donc tu peux pas faire avancer l'histoire avec ça, alors que là, du coup, on aura des vraies missions scénarisées contre des ennemis, enfin, contre des bots. Voilà, ça risque d'être un peu plus cool avec des nouveaux persos, les nouveaux designs et tout. Du coup, ce qui fait que les deux jeux coexisteront et que finalement, bah voilà, les gens, là où les gens avaient peur, parce qu'ils pensaient potentiellement s'être fait flouer en achetant Overwatch sur Switch il y a à peine un mois, finalement ça va. Les deux jeux seront toujours update et vous aurez les personnages et les maps gratuitement sur Overwatch 1 sans avoir besoin d'acheter Overwatch 2 qui sera du coup assez bonus mais qui ne sera pas obligatoire en fait. Du coup, ouais, donc c'est plutôt une bonne chose et c'est assez intéressant de voir comment ils se positionnent par rapport au fait de faire des séquelles en fait chez Blizzard. Oh voilà, moi je suis très saucé. Très bien, je crois qu'il y avait Kanuzu qui était intéressé par ça aussi. Par Overwatch 2, oui. Toujours intéressé pour qu'on rage ensemble. Exactement, alors déjà, je sais pas si tu l'avais déjà dit ou mais quoi, même du coup le jeu sort, Overwatch 2, même s'il n'a pas de date de sortie. C'est absolument pas quand il sort, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 3 ans. Sortira sur Switch en tout cas, sur toutes les plateformes. Par contre, ce que j'ai peur, c'est que s'il met trop de temps à sortir, j'ai pas qu'on se fasse chier sur le 1 là, du coup. Mais oui, j'espère aussi qu'ils font pas les conneries. Mais en tout cas, il sortira sur toutes les plateformes qui ont déjà Overwatch. Ah, d'accord, okay. C'est cool, ça. Dont la Switch. Du coup, c'est un jeu Switch. Okay, cool. Du coup, c'est aussi un jeu Switch. Donc, pas de douille pour ceux qui ont acheté Overwatch 1 sur Switch et qui ont eu peur le mois dernier. Pas de soucis. On va faire l'affiche. On fera la news, on détaillera le tout. Il y a un stream que je n'ai pas vu, que je dois revoir. Ils ont donné quelques infos supplémentaires. Mais perso, ça me sauce beaucoup. Je t'avoue que ça va quand même vachement dépendre du prix, vu que ce n'est que du PVE que tu as exclusivement dans le jeu. Si c'est comme les extensions de WoW, ce sera 40€, je pense, en max. Ouais, je sais pas si je mettrais 40 balles pour les PVE d'Overwatch. À moins que ce soit vraiment bien, mais ça dépend du contenu de dingue. Parce qu'après, on rappelle aussi les personnages, on pourra les améliorer, ils ont une capacité et tout. Parce que le truc, c'est que. Bon. Sur le long terme, le problème, c'est surtout pour moi. Genre, le problème avec l'idée de payer 40 balles pour Overwatch 2, c'est que. Bah, du coup, les trois quarts du contenu, c'est-à-dire les personnages, les maps. J'ai déjà vu jouer pratiquer dans Overwatch 1. Alors, il y a des trucs en plus, parce que t'as du leveling, des trucs, des capacités. Mais, du coup, t'as moins sentiment de découverte, même si c'est des nouveaux modes. Donc, j'espère, du coup, qu'ils sauront faire un gameplay, faire en sorte que les PvE soient vraiment innovants en soi. T'as pas l'impression de juste jouer à un mode archi, enfin, à un event d'Overwatch, mais en plus étendu, quoi. Que ce soit vraiment, genre, vraiment fondamentalement mieux. Genre, vraiment au-dessus. Donc, à voir ce que ça va donner. J'espère que ça coûte à moins 40 balles quand même. Mais voilà. J'attends quand même beaucoup. Ok. Jobman posait la question quand même. Est-ce qu'ils ont parlé, est-ce qu'ils ont abordé le sujet Hong Kong? Effectivement, de ce que j'ai vu, il y a quelqu'un au début qui en gros, il a dit « Please understand hein, ». Voilà. C'était le CEO d'ailleurs qui avait dit ça. C'est le CEO de Blizzard qui leur a dit « Please understand ».
Très bien. Ouais, bah, il a dit qu'il était désolé, que c'était pas non, digne d'eux, en fait. Oui, comme d'hab, quoi. Mais du coup, voilà, pas, ils ont déjà fait la réduction de peine et ils sont pas allés plus loin, donc voilà, problème. Bon. Ok, ok, ok. Ben voilà, ben, on va pouvoir arrêter l'émission maintenant. Petit mot de la fin, donc pour rappeler donc, les 11 rondes de GN, le live dimanche soir, bien entendu. Oui. Demain, on se fera encore du Luigi's Mansion 3 avec dans la soirée du multijoueur. Donc, je vous rappellerai tout ça sur le forum et Twitter également. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Merci d'avoir réagi également. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum de Génération Nintendo. Et en attendant, vous pouvez retrouver chacun des membres de l'émission sur Twitter. On a par exemple Kanozu, at Kanozu, avec un underscore à la fin. On a également Copan, at underscore, Corpi Copan, underscore. J'y ai réussi ce coup-ci, hein, j'ai réussi. Oui, c'est ça. Pix300, donc at Pix300, simplement. Et Spyuné, at Spy, underscore, Uné. Et pour ma part, donc, at Rifalgot, tout simplement. Et vous avez l'inscrit sur le live, at G, underscore, Nintendo, pour suivre Nintendo sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, bref, hein, et bien sûr le forum. Allez, on va pouvoir se quitter maintenant, après une émission quand même qui était assez longue, il faut le dire. Allez, on dit au revoir tout le monde, au revoir. Bye bye, bisous bisous. Bonne soirée. Minecraft 2. Tchuss. Breath of the Wild 2, ouais. En force. Allez, tchuss.